La raison pour laquelle je vous ai tout appelé pour informer que mon fils viendra des États-Unis d'Amérique. Oh ah Votre Majesté, nous lui souhaitons le bienvenu. Il vient pour être couronné prince de ce royaume. Waouh! Alors je veux que vous vous comportiez toutes. Je veux que cet endroit soit bien soigné. Faites un bon nettoyage. Je veux que tout soit propre partout. Parfaitement propre. Ai-je bien été clair? Oui, Votre Altesse. À présent, vous pouvez disposer. C'est bien. Quand est-ce que le prince arrive? Que le nettoyage commence maintenant. Eh bien, ok. Nous devons nettoyer l'entrée. J'ai dit partout. Va à l'entrée. Par ici. On commence par l'entrée. Allez. Pouvons-nous partir? On nous a dit de nettoyer l'entrée. Votre Majesté. Je peux aller avec elle. D'accord, Votre Altesse. Oui. Bonne journée, Majesté. Ah, qu'est-ce qu'il y a quand on te touche? Tu ne vois pas. Tu peux tomber. Écoutez, je suis sûre que le prince n'a pas encore pris une femme. Et quelle? Ah! En quoi ça te concerne? Vas-y, réponds. Laissez-moi. Et si c'est le cas, je suis sûre que le prince n'aura Dieu que pour moi. Qui parle? Le prince va te choisir. Regarde-toi. Tu ne réfléchis pas? Les gens parlent et toi, la grosse, tu parles aussi? Écoute. C'est moi que le prince choisira. Écoutez, je ne sais même pas de quoi vous êtes en train de parler. Je vais dire, le prince me choisira. Je vais dire, étant la fille de Noé, mon père parlera à sa majesté. Votre majesté, choisissez ma fille. C'est celle qu'il vous faut. Bah, tu l'as fermée? Ferme-la. Je suis sûre que cette fille est malade. Je veux dire, es-tu la seule à aimer les bonnes choses? Alors, tu es mieux que nous toutes ici présentes. Bien sûr. Hein? Écoute-moi. Étant servante directe de la reine, c'est très simple. Elle va juste me livrer à son prince. Non, elle te portera même. Elle n'a pas besoin. Elle n'a pas besoin de te livrer. Tu es déjà tout à lui. Hein? Tu es déjà livré. Écoutez, vous manquez vraiment de sagesse. Regardez où je suis. Moi, je suis de la sécurité. Je suis à l'entrée. Je verrai le prince en premier. Qu'est-ce qu'elle raconte? Je lui dis au revoir. Quand il revient, je lui dis bienvenue. On tissera des liens, on se rapproche. Et il me remarquera. Hein? C'est bien, n'est-ce pas? Remarquez ce poids énorme. Hein? Ça n'a aucune importance. Attends. Est-ce que quelqu'un a parlé? Attendez, où est cette personne? Oh, ok. J'ai oublié. Regarde-toi. Tu portes des lunettes et tu veux voir des hommes. Ok. Tu as des problèmes des yeux. Est-ce que tu peux même voir? Tu ne peux pas comprendre. Pouvez-vous tu imaginer? Tu as des problèmes des non, yeux. Non, elle a raison. Je vais te donner une bonne gifle. Elle a parfaitement raison. Peux-tu imaginer? Ferme ta bouche. Pourquoi se disputer pour un homme que vous n'avez pas encore vu? Il n'est même pas de votre classe. Regardez-vous très bien. Pourquoi n'attendez-vous pas qu'il vienne et vous le voyez face à face avant de vous battre? Écoute, je n'ai pas vraiment besoin de le voir en face. Je le sais, j'ai cette sensation. C'est une prophétie. On a dit que je suis destinée à épouser la royauté. Dieu! Cette fille. Oui. Dans tous les cas, tout ce que je sais, c'est que mon père est le nom cela de ce village. C'est tout ce que je sais. Ce que c'est je tout. Sais, le prince me choisira. Sûr, vous ne voyez pas mes bras. C'est de mon mari que vous êtes en train de parler. Arrête ça. Peux-tu te retournons à nos tâches. Toi, retourne à ton poste. Retournons à nos tâches. S'il te plaît, allez-y. Vous savez que je suis destinée à épouser la royauté. Ma chère, dégage. Pas celle-ci. Va-t'en d'ici. Celle-ci est à moi. Non, mais attendez. Si on parle, celle-ci aussi. Écoutez-la. Toi aussi. Je suis sûre que... Ce tas de chair. Hello. Va ma chère, reste tranquille. Va t'occuper des tâches ménagères à l'intérieur. Reste des choses à faire. De la chambre de la reine. Je fais ce que je veux. C'est tout. Oui. Regardez-la. Bien sûr. N'importe quoi. Parce que la reine m'a... Je suis la fille de Noé. Tu m'as appelé n'importe quoi. Tu penses n'importe quoi. Cette fille. Je ne sais pas. N'importe quoi. Toi. N'importe quoi. Approche-toi. Oui. Approche-toi plus. N'importe j'ai quoi. Jette-le-moi ma vie pour vouloir la détruire, tu sais. Tu ne peux pas. C'est tu pourquoi je ne peux pas me salir les mains. Je vous dis, c'est moi. Oh, enfin tu pars.
Tu t'en vas, n'est-ce pas? Et toi, tu peux rentrer. Va, je te dis. Je vous ai dit que ma destinée, c'est la royauté. J'ai les globules royaux. Et oui. On dit globule. Va-t'en. Globule ou globule, peu importe. La royauté, je l'ai dit. Qu'est-ce que tu vas me dire? Je ne peux discuter avec toi. Si le prince m'en... Je m'en vais, c'est bon. Tu seras sous le charme. Je te l'ai dit. Ne t'inquiète pas. J'aurai le prince sans faire d'effort. Il me choisira. Tu es là à te vanter. Pourtant, tu n'es rien. Retourne à tes tâches. Termine-les. Avant de t'en aller. Hey! S'il te plaît, tu as le fond de teint. Où est le fond de teint? Cherche dans la trousse. Ne me crie pas dessus. Quel est ton problème? Hein? Ferme ta bouche. Ne peux-tu pas chercher? Arrête de me parler. Au lieu de poser les questions stupides. Tous les jours. S'il te plaît, reste tranquille. Salut les filles. En quel honneur sont toutes ces préparations? Où allez-vous? Nous nous préparons pour ton enterrement. Tu ne sais vraiment pas? Reste là, posez les questions. Le prince revient bientôt. Oh. Et aujourd'hui, nous faisons le make-up parce qu'il va choisir une femme. Non. Alors on se rend belle. Qui sait? Ah. S'il te plaît, arrête, ça t'abîme les yeux. Va, tu te tais? Reste là, ne cherche pas à être belle. Je veux bien être belle, mais pas en faisant du make-up. Dieu merci que vous soyez là. S'il vous plaît, puis-je avoir du blush? Vous voyez, le fard qu'on met à la joue. Chinoye, toi aussi? Qui d'ici? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce que c'est? Toi aussi, Chinoye. Il y a quoi de mal? Hey! Je ne suis pas ici pour me maquiller. Tu dois attendre qu'on finisse d'abord. Attends. Je ne peux pas attendre. Cher. Je ne peux pas attendre. Tu n'as pas à te maquiller. Laisse tomber, ça ne te concerne pas. Fais plutôt ce que tu fais. S'il vous plaît, je n'ai pas le temps pour ces conneries. Ceci, non. Non, ça. Oh non, votre Altesse. Je suis vraiment très heureux que notre prince revienne finalement pour exactement. Exactement. Honnêtement, ce serait formidable de revoir ce beau visage. Tu as raison. Je ne sais comment expliquer ma joie. Non, honnêtement. Et surtout que mon fils n'a pas pris de femme là-bas. Des femmes exactement. Blanches. Mm-hmm. Exactement. Tu sais comment elle se comporte. Bien évidemment. Ah oui? À tout moment, je suis en contact avec lui. Ok. Et où est la reine? Oh, la reine, elle est occupée avec ses servantes. À préparer des choses, à cuisiner, à frire et organiser des choses. J'ai vraiment hâte de faire partie. Oh oui, j'ai toujours fait partie. Oh non. Tu sais quoi? J'ai acheté 20 d'Amjan, d'un très bon vin de palme, vin de Corot. Le vin de Coron. Oui. J'ai vraiment hâte. Tu sais comment se vin. Le bon vin de palme de Coron. J'ai réservé un bidon pour. Ah, Igwe. Oh non. L'envie au roi. Mon fils est rentré. Mère, sois le bienvenu. Merci beaucoup. Comme tu es beau. Juste comme toi. Merci. Bienvenue, mon fils. Père. Mon fils. Bienvenue, mon fils. Bienvenue, prince. Comme tu es beau. Merci, tu es beau comme ton père quand il avait ton âge. Mon prince, vous êtes bienvenu. Merci beaucoup. Bienvenue. Bienvenue, monsieur. Oh,
Bienvenue, respectable monsieur. Je suis honorée de vous voir, monsieur. C'est un membre du personnel. La sécurité. Oui. Salut. Eh. C'est un plaisir, monsieur. Oh, j'ai oui. des valises à porter. Juste une valise à prendre. Tu peux aller. Qu'y a-t-il? Majesté. Hey, oula. Stop. Je pense qu'elles sont juste excitées. C'est rien. Que vous soyez excitées ou pas, déposez-moi cette valise. Oui, mon roi. Quittez-le là. Mon prince, bienvenue. Bienvenue, mon prince. Nous sommes si heureux. Bienvenue. Bienvenue, mon prince. Avance. Laissez ça. Oh, pas facile, lourd. Le vainqueur repart avec la valise. J'étais celle que le prince regardait. En fait, il me dévisageait. C'est un mensonge. Le prince regardait dans ma direction quand il... Regarde-toi. Vous êtes toutes les deux si stupides. Pourquoi avoir cette discussion stupide? Hein? Ah! Quelle discussion? J'étais là et le prince me regardait. Le prince nous a toutes regardées. C'est un mensonge. Toi. Le prince m'a fait un clin d'œil. Il avait les yeux rivés sur moi. Ce n'était pas un clin d'œil. Il a détourné son regard. Il a détourné son regard à cause de la polo. Tu as la polo dans l'œil. C'est moi que le prince a regardé. Il me regardait de la tête aux pieds. Il m'a fait signe. Il conduit à te regardant ici. Restez tranquille, s'il vous plaît. Taisez-vous. Le prince m'a fait des signes. Hey, arrêtez-moi qu'il regardait vers moi. C'est moi qu'il regardait. Mon Dieu. Votre Majesté. Votre Altesse. Belle-mère, désolée. Que se passe-t-il ici? Désolée, belle-mère. Qui est ta belle-mère? M'avez-vous entendu? Je viens de poser une question. Belle-mère, ses filles sont... Tais-toi. Peux-tu la fermer? Tu te tais? Ma reine. Tais-toi. Ferme ta bouche. Ma reine. Je les ai surpris se disputer, disant que le prince leur faisait signe. Elle le personnalise. Bien sûr qu'il m'a fait signe. Ferme ta bouche. Êtes-vous stupide? Exactement, madame. Parfois, elles sont très stupides, ces filles. C'est toi la stupide. C'est toi, chenouillée. Tu as quitté le portail pour venir discuter avec elle, n'est-ce pas? Je me demande. Non. Écoutez, belle-mère, en tant que... Belle quoi? Belle-mère. Est-elle folle? Elle est malade. Allez, disposez. Je dois aller faire le ménage. Attends, m'as-tu appelé belle-mère? Oui, madame. Comme mon mari est arrivé, il fallait que je prenne les choses en main. Surveille ton langage. Es-tu folle? Désolée, ma reine. Si vous voulez balancer vos poitrines comme la viande au porc, c'est moi qui choisis. Viens-tu vraiment de m'appeler belle-mère? Oui, madame. Ma belle-mère. Explique comment? Ma belle-mère, vous savez que je suis bien éduquée. Alors, c'est pour ça que j'ai laissé tout ce que je faisais pour venir voir mon mari. Comme il est arrivé, je suis venue lui souhaiter le bienvenu. Il va sûrement m'épouser. C'est lui le gagnant. Vous savez, je suis deux en un. S'il m'épouse, il aura deux personnes chez lui. Écoutez. Belle-mère, écoutez, oubliez ce côté-là. Comme vous me voyez là, si j'enlève cette uniforme, vous verrez mes courbes. Si vous voyez mes formes, vous allez aimer. C'est votre fils qui gagne. Si vous voyez les courbes, cette uniforme cache vraiment tout. Je vous dis, ça se lit dans vos yeux. Vous me voulez. C'est vous la gagnante. Il épouse une et il en reçoit deux. Votre fils tourne à gauche, il voit une personne. À droite, une personne. Je fais deux en un. C'est vous les gagnants. Aslo, tu auras maintenant un homme. Pourquoi le dîner n'est-il pas servi? Désolée, Altesse. C'est que j'ai été la seule à tout faire. Tu veux dire que personne ne t'a donné un coup de main? Et alors, Tinaza? Peut-être qu'elle me rejoindra bientôt. Oh. Désolée. Une minute. Pourquoi n'es-tu pas maquillée comme les autres filles?
Désolée, Votre Altesse. Je n'aime pas le make-up. En plus, j'ai été très occupée. Vraiment désolée. Eh bien, dépêche-toi. Eh bien... J'espère que tu apprécies le repas. Ouais, c'est un régal. Ils m'ont manqué. Très bon tes plats, maman. Bien sûr. Oui, c'est très bon. Oh. Vas-y, mange, mon fils. Merci, maman. Ça ira. Oh, merci beaucoup. Ce repas est... vraiment très délicieux. Ça, c'est une histoire entre toi et ta mère. Regarde comment elle essaie de te gaver avec de la bonne nourriture. Merci. Merci. Je t'en prie. Akokaya. Ochioya. Omenampo. Tout le monde se porte bien. Tout le monde se porte bien. Oui, mon fils est de retour. Oh, bien sûr. Nous avons de la chance d'avoir un bon garçon. C'est l'œuvre de Dieu. Merci. Oh, tu viendras. Certainement, certainement. Je t'attendrai, je t'attendrai. Ok. Ok. Bye. Je t'attendrai, mon frère. Ok. Ah. Je devine que c'était l'oncle. Oh, effectivement. Oui, oui. Il envoie ses salutations. Ok. Il dit qu'il sera là exactement dans 2 jours. Oh. Génial, j'ai hâte de le voir. Oui, je sais que tu as porté beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Oh oui, bien sûr, nous sommes des Africains. Bien sûr. Bravo, fils. Alors, père, comment ça va? Je veux dire, comment t'en sors-tu avec le stress de la communauté? Oh, bien, nous remercions les dieux. Comme tu peux le voir, je m'en sors plutôt bien. Oui. Je peux le voir, père. Je vois ça. Ah. Alors, fils, quels sont tes projets maintenant que tu es à la maison? Eh bien, bien sûr, tu sais que j'ai commencé quelque chose de nouveau aux USA. Bien sûr. Donc, je n'ai pas l'intention de rester trop longtemps. Dès que j'aurai fini avec tout ça, je serai parti. Ok, c'est d'accord, mais... je voudrais que tu restes un peu plus longtemps. Pourquoi ça, père? Oui, parce que je veux que tu trouves une épouse ici, avant de repartir. Mais père, écoute, je... Non, 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 non. Pas de mais ici. Je ne voudrais pas que tu nous ramènes une étrangère dans ce royaume. Mon fils, je suis le gardien de la culture et de la tradition de notre peuple. Et toi, tu es la prunelle de mes yeux. Alors, nous devons nous conformer aux normes et de la coutume. Tu devras trouver une épouse ici, faire les cérémonies nécessaires et la ramener aux États-Unis. Est-ce que ça te va?
C'est d'accord, père. Je vais devoir travailler là-dessus. Ravi de l'entendre. C'est bien. Pour toi, pour moi et pour le bien de toute la communauté. Allez, tricons comme vous le faites là-bas. Oh, sans souci, père. À ta santé pour la bonne vie. Bien sûr, bien sûr. Mes choses, je te laisse la liberté de faire ton choix. Pas d'interférence. Trinquons pour ça. Mon prince. Salut, beauté. Comment puis-je t'aider? Mon prince, vous êtes en train de sortir, ce que je vois. Oh oui, je veux visiter les alentours du royaume. Tu sais, ça fait longtemps. Mon prince, je connais des endroits qui vous intéresseront. Ça ne me dérange pas de vous faire visiter ces endroits. Oh, vraiment? Oui, mon prince. Très bien alors. Monte dans la voiture et allons visiter ces endroits. Merci, mon prince. Ok, mon prince, je suis désolée. Descends. Toi, descends. Si Chinaza ne... Écoutez, si Chinaza ne descend pas, personne ne sortira aujourd'hui. Pom. Oh, personne ne sort. Toi aussi. Ah. Oh, personne ne sort. Ah. Ah. Pom. Personne ne sort. Il n'y a rien à faire. On reste ici. Hé. Hey. Aïe. Quel est le problème? Mon prince, ouvre le portail. Très beau. Mon prince charmant. Que j'ouvre le portail? S'il te plaît, ouvre le portail. Je vais t'ouvrir mon cœur. Je vais être ta garde. Ouvre le portail. Qui c'est celle-là? Aïe! Regardez les lèvres. Oh! Oh, mon prince. Oh! Désolé. Peux-tu ouvrir le portail, s'il te plaît? Vas-tu ouvrir ce portail? Quel est ton problème? Qui c'est ça? Ouvre ce portail! Descends! Tu es vraiment stupide! Ouvre ce portail! S'il te plaît, Ne dites rien, je suis émue par vos lèvres. Hey! Peux-tu m'ouvrir le portail, s'il te plaît? Bien sûr, je ferai tout pour vous. My sister, cognez-moi. Je mourrai pour l'amour. Vous êtes beau. Oh. Everybody won't become the prince wife in no way. Oh yeah, leave my husband in the way. Aïe. Je suis mariée. Ah. Le vrai amour. Cette Chinaza, assise sur le siège et ses pieds ne touchent pas le sol. N'importe quoi. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Qui pense-t-elle être? C'est Chinaza. La fille du conseiller Onowu. Où est-ce qu'ils vont? Je ne comprends pas. Tu les as vus. Pourquoi n'as-tu pas demandé?
Peu importe ce qui se passe dans ce palais, je vais le démasquer. Personne ne va me prendre mon prince. Il est à moi. Ok. Alors, puisque le prince est à toi, j'ai beaucoup de choses à faire à l'intérieur. À plus. Ce sont tes affaires. Le prince est à moi. Personne ne va me le prendre. Qu'est-ce qui ne va même pas avec cette Chinaza? Hein? Qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas? Tout le temps, elle veut se faire voir. Hein? J'ai les seins, j'ai les fesses. Un corps parfait. Hein? Si le prince veut m'épouser maintenant, il épousera deux personnes. Oui, rien que moi, ça fait deux. Ah ah. Hey. Regarde-moi. Regarde, regarde les belles formes. C'est même cette chemise qui cache ses formes. Regardez une belle femme comme moi. Je vais attendre un jour. Le prince me dira, Chinoye, je dirai, et il dira, veux-tu m'épouser? Et je dirai, prince, j'ai honte. J'ai honte, mais oui. Chinoye, à quoi donc penses-tu? Au point de ne pas entendre l'appel de la reine. Elle t'appelle! Qui? La reine. Non, non, le roi. Hein? Dépêche-toi! Ma reine! Mais! Le prince! Le prince est un jeune homme si charmant! Si adorable, je veux dire. J'ai tellement été chanceuse. Ah, j'ai hâte d'être avec lui. Oh mon Dieu, il ne faisait que me regarder, me toucher les joues, partout, partout. Je suis très heureuse. Oh Dieu, je t'en prie, je veux me réveiller de ce cauchemar. Vraiment. Tu penses être intelligente? Avec tes chaussures de clown. Le prince ne t'épousera pas juste parce que tu es la fille d'Onohou. Oh. Tu peux la fermer? Est-ce que je sens de la jalousie, hein? Jalousie? Chaussures. Jalousie? Avec tes baskets. Je préfère être jalouse d'un fou. Hey, tape ici. Non, tu veux me prendre mon prince. Pardon, ferme-la. Vous êtes toutes les deux inutiles. Attendez, attendez, attendez. Revenons au sujet. Qu'est-ce qui te fait croire que séduire le prince est la meilleure option? Écoute, ma puce, cet homme est éduqué. Ah, cet homme est si intelligent. Cet homme a du goût. Cet homme a du style. Ma chère, il ne peut pas te regarder. Oh, pourquoi ne peut-il pas être avec moi? Je veux dire, regardez et jugez vous-même. Avec tes chaussures de clown. Je ne peux pas juger. Regardez et jugez vous-même. Hein? Avec tes chaussures de clown? Et toi avec tes baskets? Hein? Regarde tes chaussures démodées là. Hein? Tes chaussures démodées. N'importe quoi. Je ne comprends pas. Quel est le rapport entre le prince et les chaussures? Hello. Non, 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 non. Il ne s'agit pas de chaussures ici. En parlant de chaussures de basket et de clown, c'est la mienne qui gagnera. S'il te plaît, baisse ton pied. Baisse ton pied. Regarde ces chaussures. Ah. Au fait, où est Onyechi? Suis-je la gardienne d'Onyechi? Ok, d'accord. Et d'ailleurs, que fais-tu ici? Pourquoi es-tu là? Peux-tu aller surveiller ton portail? Ok. Comme je t'ai un peu oublié, tu prends tes airs, tu t'agites un peu. Avec ta jupe évasée. Que le prince a fait ceci. Oh, le prince, s'il te plaît, peux-tu t'en aller d'ici? Va-t'en, tais-toi. Va-t'en d'ici. Tu n'as même pas regardé, regardez le prince dans les yeux. Pourtant, nous nous sommes regardés. Le prince est tombé sous le charme. Ce sont ces mêmes choses que nous avons fait en chemin. Le prince m'a regardé comme ça. Mon prince, mon prince. Et vas-tu t'en aller d'ici? Tu vois, ses yeux ont séduit le prince. Il est tombé sous le charme. Tu ne peux pas comprendre. Hey. J'ai des yeux charmants. Tu es très folle. Oh non. Majesté, je t'ai invité ici pour parler du couronnement. Et comment se passent les préparatifs? Majesté, tout est en place. La date demeure la même. Bien, bien. Je n'ai pas eu les nouvelles du grand prêtre.
Même pas un mot. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça c'est parce que tout a été finalisé. Ouais, la cérémonie d'initiation aura bel et bien lieu dans 7 jours. Après quoi, le prince sera couronné. Mais rappelez-vous bien, Majesté, il doit prendre une femme immédiatement après le couronnement. Oui, 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 j'ai ça en tête. Et ça se passera ainsi. Tu as si bien fait, Ono. Merci. Merci pour tes efforts. Je vous en prie. J'apprécie vraiment. Je vous en prie. Qu'est-ce que je ne ferai pas pour mon roi? Ok, eh bien, tu es mon roi. Mère. Oui, fils, comment vas-tu? Je vais bien. Très bien. Je tchatche avec mes amis. D'accord. Il me manque. Fils. Mère. Dis-moi, es-tu déjà prêt pour la cérémonie? Oh, je m'y suis préparé, mère. À part le problème de femme que père a exposé, je suis prêt. As-tu besoin de notre aide? Non, pas du tout, mère. J'essaye de m'habituer à la communauté. Je sors parfois pour voir les choses de moi-même. Je suis sûr, bientôt je serai focalisé. C'est juste que tout cela va retarder mon retour. Qu'y a-t-il de mal à ça? Rien. Rien. Mais j'ai laissé beaucoup derrière moi quand je suis venu, mère. Ça va aller. Tout ira bien. Ok? Eh bien, si tu le dis, je l'espère. Ok, je monte à l'étage. Le format de mon téléphone est si petit que je ne peux saisir. J'ai donc besoin d'utiliser mon laptop. Très bien alors. Je serai là, mère. Ok. Tu as besoin de quelque chose. Fais appel à l'une des servantes. La situation est totalement sous contrôle, mère. D'accord, fils. Prends soin de toi. Merci. Salut, mon prince. Je prépare du caviar pour la reine. Alors, j'ai pensé venir vous demander si vous en voulez. Du caviar? Oui. C'est très astucieux de ta part. Oui, j'en voudrais un peu. D'accord, mon prince. Ah, comment as-tu su que j'aimais le caviar? Ok, alors j'ai entendu que le prince venait et bien sûr j'ai fait mes recherches. Oh, waouh! Tu as fait des recherches? Oui, je l'ai fait. Bien, tes recherches sont en fait correctes. Ok. C'est d'accord. Tu peux m'en apporter un peu. D'accord, mon prince. Au fait, tu es ravissante. Tu es belle. ce sont des verres correcteurs. Oui, ils le sont. Vraiment. Merci, mon prince. Oui. J'aime le cadre. Oh, mon Dieu. Bien. Merci, mon prince. J'attendrai ce caviar. Okay? D'accord, mon prince. Merci. Hey. Oui, mon prince. Désolé, j'ai pas retenu ton nom. Oh, Nketi, mon prince. Nketi. Oui, mon prince. Joli nom. Oh, merci, mon prince. Ok, j'attends. Ok, mon prince. D'accord, mon prince. Ok, ok. Ah. Nketi. Chineke idima, idima, idima e, idima, idima, idima e, chineke idima, devine quoi? Tu as gagné. Hey! C'est plus que la loterie.
ça dépasse la loterie. Ma sœur. Que s'est-il passé? Le prince a déclaré son amour pour moi aujourd'hui. Mon mari? Ah, ah, ne dors-tu pas? Mon mari a déclaré la flamme pour toi, tu es folle. Eh bien? Es-tu folle? Ah! Hein? Tu es malade? Hey, mais qu'est-ce que c'est? Mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a avec le prince, le prince, le prince, le prince dans ce palais? Écoute, peux-tu retourner à la cuisine où ton devoir est de cuisiner pour le palais? Quel est ton... Qui es-tu? Sors d'ici, va à la cuisine, n'importe quoi. Excuse-moi, c'est de mon prince que tu parles? Oh mon Dieu! Tu parles de mon mari? Qui es-tu? Qui es-tu? Hey! Qui es-tu? Pardon? Je demande qui es-tu? Pardon? Oh. S'il te plaît. Oh, 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 attendez une minute. Étant ici en ce moment, je vous vois comme mes futures servantes. J'ai hâte que ce jour arrive. S'il te plaît. Au revoir. S'il te plaît, sors d'ici. S'il te plaît. Regarde-la. Écoute. Mon prince. La prochaine fois, si tu parles de mon mari. Je ne comprends pas. Hein? C'est mon prince. Peux-tu la fermer? Pourquoi? Hé, hé. Hé, Hakuna. Hakuna, c'est de mon mari dont tu es en train de parler. Tu ferais mieux de... Mari, c'est mon prince. Tu es folle? Non, je ne le suis pas. Tu es malade. Non, je ne le suis pas. C'est mon prince. Quel prince? Depuis quand il est ton prince? Je ne peux pas avoir cette discussion avec toi. Allez, c'est mon prince. Va-t'en d'ici. C'est le mien. Madame, suis-les. Vous me dérangez. Va-t'en d'ici. Va. Lolo, le couronnement n'est pas la question maintenant. Ça a été réglé. Le défi maintenant, c'est de trouver à notre fils une bonne femme. À cet effet, je pense organiser un concours de danse. Pour que non, ça Majesté. Plus rapidement. Notre fils est loin de vouloir s'exposer à ça. Laissons-le se trouver une femme tout seul. Tout ce que nous pouvons faire, c'est d'apporter notre soutien à notre fils dans son choix le moment venu. Que ferons-nous si le passé de la fille n'est pas assez bon? Alors il en cherchera une autre. Il y a tant de belles filles dans ce royaume. Je ne veux pas que nous choisissions pour lui, parce qu'il y aura tant de pression. C'est d'accord. Je fais confiance à ton jugement. Tu as raison. Voyons comment ça va se passer. J'espère que ça se passera bien. Ah, je suis prêt pour ma retraite. Oui, chérie, allons nous coucher. Bien sûr, j'ai sommeil, bien je cours. Sûr. Moi de même. Oh, ça a été une journée incroyable, ma chérie. Oh la karaté, Igor. Excuse-moi. Mets-toi, genou. Je suis là. Mon prince, mettez-vous à genoux. Le Tout-Puissant. Votre Majesté. Le Tout-Puissant. C'est fait. Je peux le voir. La procédure peut commencer. Oh non. Grand prêtre. Tu peux commencer. Merci. Mon prince, tendez vos mains. Par les pouvoirs
qui m'ont été conférées en tant qu'onohu de ce royaume, je vous couronne par la présence prince héritier de ce noble royaume. Félicitations, mon fils. C'est fait. Juste comme ça? Oui. Mes félicitations. Merci, père. Au prince couronné du royaume de Mokwa. Bienvenue. Oh non. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, pouvons-nous maintenant entrer et célébrer? Eh bien, pourquoi pas. Après vous, père. Ok. Attention à la marche. Ah... Ah, Kwaru. Oui, oui. Désolé. Je vois. Oui, père. Fils, oui. Fils. Père. Qu'en est-il de tes recherches? Tu n'épouses, comment ça se passe? Ah, ça se passe bien, père. Tout est sous contrôle. C'est oui. Bien. Oui, n'hésite pas surtout à nous faire savoir si tu as besoin de notre aide. À tout ça moment. C'est vrai. C'est compris, père. Merci beaucoup, je le ferai. Au fait, j'ai remarqué que nous avons beaucoup de belles filles dans cette communauté. Je dois dire que nous sommes bénis. Ça oui, je te le concède. Mes fils, assure-toi de prendre une fille qui vient d'une bonne famille. Hé, hey, allez mère, tu sais qui je suis. Je ferai le bon choix, ok? Et je vous rendrai tous les deux fiers de moi. Je te fais confiance, fils. Oh, je suis ravi de l'entendre. Je le suis, fils. Dans cette vie, la vie est tout. Exactement. Dans cette vie, quand tu seras marié, fils, la famille est tout. Exactement. Bonsoir, Votre Altesse. Le dîner est servi. D'accord, merci beaucoup. J'ai déjà un cru. Mère, oui. J'aimerais que la servante qui vient de partir soit ma servante personnelle. Je ne sais pas si c'est possible. Pourquoi pas? Bien. Alors je ferai l'annonce parce que je n'aimerais pas que les autres servantes qui me donnent déjà trop d'amour se battent encore pour me servir. Ça a l'air d'une bonne idée. Oui. Je vais l'en informer immédiatement. Très bien. Dans ce cas, je vais devoir vous laisser. Fils, ne te gênes-tu pas, nous, à table? Oh non. J'ai quelques trucs à gérer qui m'attendent. Je dois y aller. Vraiment? Oui, père. Sois prudent. Hein? Compte sur moi. Ne attention. Pas rester tard dehors. Règle numéro 1. Je ne resterai pas tard, mère. Et fais attention. Sois prudent. Je te fais confiance, mon chéri. À plus tard. Ah. Oui. Lola. On y va. D'accord. Et, passons à table. Ah, d'abord. Je peux sentir l'odeur. Nous avons une bonne cuisinière. C'est vrai. Hey! Votre Majesté! Ah! Mais où allez-vous? Laissez-moi vous accompagner. Ce n'est pas nécessaire. Tu m'as assez montré comme ça. Je peux trouver mon chemin. Mon prince, j'insiste. Je veux vous faire visiter. Je ne veux pas que quelque chose vous arrive. Vous savez que... Hey. Hé, retourne à ce que tu faisais, ok? J'irai bien. En passant, merci de t'inquiéter. Je t'en prie. Mon prince, j'insiste.
Oui, ce terrain d'Inamouji est à moi. Vous pouvez trouver un ingénieur pour qu'il fasse le plan et pour me rappeler. Oui. Ok, ce serait bien. D'accord, j'attends votre appel. Merci. Ma reine, j'espère que vous aimez. Votre Altesse, vous m'avez fait appeler. Oui, je l'ai fait. Mon fils, le prince, a demandé personnellement que tu sois son assistante personnelle. Faire des choses comme s'occuper de ses affaires au palais, ranger sa chambre, servir son repas, faire le ménage et tout. D'accord, Votre Altesse. J'espère que ça ne sera pas trop pénible pour toi, vu que Chinaza t'assiste déjà à la cuisine. Excusez-moi, ma reine. Je peux aussi l'assister et l'aider avec les travaux ne du prince. Ne t'inquiète pas, ma chère. Sa chambre. Il a été très précis sur ce plan, le prince. Oh. Je pourrais combiner les deux. Très bien, alors. Merci, Altesse. J'y vais. Vas-y doucement. Ok, madame. Aïe! Désolée, madame. Est-ce que ça va? Je vais bien. Venez. Écoutez, vous n'allez même pas le croire. Savez-vous que le prince a choisi Onyechi pour être son assistante personnelle? Je veux dire, Onyechi sera en charge des affaires du prince. Sérieux? Je te dis. Alors, pourquoi elle n'a rien dit? Comment pourrait-elle? Comment? Écoutez, ce n'est pas un ragot. J'ai entendu la reine le dire. Dans sa parole, je veux dire, le prince a officiellement choisi Onyechi pour le servir. Ça, c'est sérieux. Très sérieux. C'est très, très sérieux. Ok. On va attendre et voir ce qui se passe. Les hypocrites font pire. Merci. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Alors, tu penses que tu es maligne? Non, tu penses que tu es maligne pour avoir le prince, n'est-ce pas? Alors que c'est toi qui jouais les indifférentes lorsqu'on parlait du prince. Je ne sais pas où mène cette conversation. Je ne sais absolument pas de quoi vous parlez. Donc, maintenant nous sommes stupides. Tu es bête, je suis bête, elle est bête, nous sommes moumous. Attends. Comment veux-tu expliquer le fait que le prince me regarde? Il te regarde. Ah oui? Il la regarde. Et te choisit. Et te choisit. Comme servante personnelle. Tu es folle. Tu es malade. Eh bien, je ne sais pas pourquoi le prince m'a choisi comme servante personnelle. Si vous voulez le savoir, allez lui demander. N'utilise pas ce temps sur nous, s'il te plaît. Regardez-moi là-haut. N'essaye pas. Ok. Avec ses chaussures démodées. C'est ce qui a attiré le prince. Avec tes chaussures à la mode, il ne t'a pas choisi. Regardez-la parler. Mais quand elle verra le prince, elle agira comme une muette. Tu es muette. T'es une hypocrite. Une grande hypocrite. La prochaine fois, je vais t'enregistrer. Si je me souviens bien, je n'ai jamais été dans vos disputes pour le prince. En plus, je suis juste désignée pour le servir, c'est tout. Je suis juste désignée pour le servir. J'ai juste une, c'est tout. Une grande une bonne actrice, hein. Aïe. Eh bien, je pense que le prince ne vous a pas choisi vu la façon dont vous vous comportiez autour de lui. Il a dû se lasser. Il a besoin de se ressaisir. Prédicatrice, va dans ta cuisine. Va à la cuisine. C'est une gifle. C'est là où t'es mieux de sortir avant que quelqu'un ne te gifle. S'il te plaît, vaut mieux sortir. Trois. C'est une gifle. Je sais que tu ne feras pas. Je vais donner une gifle à cette fille. Papa, je ne suis pas du tout heureuse. Qui a-t-il? La reine ne te traite-t-elle pas bien? Ce n'est pas la reine. C'est le prince. Il ne s'intéresse pas à moi. Papa, je veux que tu utilises ton pouvoir d'Onoo pour l'amener à moi.
Parle-lui pour qu'il puisse s'intéresser à moi. Je sais que tu peux le faire. C'est pour ça que tu es mon père. Je sais que tu peux le faire. Oui. Chinaza. Papa. Tu veux que je te vende pratiquement au prince ou te forcer au prince? Je... Lequel des deux? Je ne sais pas. Tu sais quoi faire. J'ai besoin que le prince soit à mes côtés. Chinaza, retourne à ton travail. Je veux voir Sa Majesté immédiatement. Papa. Papa, tu peux le faire. Chinaza, retourne à ton travail. S'il te plaît. Retourne à ton travail. C'est l'un des prisons de mon fils. Excellent. Je n'ai jamais vu ce genre avant. Ça ressemble à un parfum. Et... Je croyais que c'était un parfum. Non, pas du tout. Tu peux sentir la qualité. Avec ta langue. Majesté, où en est votre fils à la recherche d'une femme? Oh, nous sommes encore déçus. En effet, il ne m'a encore rien dit. Mais je lui donne encore un peu de temps. Et... je lui apprendrai une ou deux choses. Nous sommes là. Eh bien, je prie qu'il ait quelqu'un de gentil. Quelqu'un de très serviable. Ici, c'est aussi ma prière. Tu sais ce que disent les gens. Peu importe ce que tu accomplis, que l'homme ne revendique pas le succès tant qu'il n'est pas encore marié. Oh, n'y a non, ouais. Omaterake. Tu l'as dit. Je te rejoins dans la prière pour qu'il ait une bonne femme. Ouais. Nous observons. Majesté. Majesté. Mm. En fait, je suis ici à cause de ce cas entre Mazi Ibama et Owefie Ezodinaka. Quelle affaire? Ono, cette affaire est très compliquée. Tu le sais. Tu connais l'histoire. Votre Altesse, c'est seulement le crocodile qui garde la gueule grandement ouverte qui permet aux oiseaux de la rivière de la bécoter. Oh mon Dieu. On ne peut pas résoudre un problème en l'évitant. On l'affronte simplement et vite. Honnêtement. Oroguayate. Amaniene. Neose Ugeru. Tu as raison. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que... Obuefie Ezodinaka cherche vraiment les problèmes. Retracez l'histoire. Retracez l'histoire de cette terre. Retracez l'histoire. Et je pense que cette terre appartient à Mazi Ibama. Non, retracez l'histoire de vous-même, Majesté. Ono, est-ce que tu te souviens que le grand-père d'Owefie Odinaka était l'ami de mon père? Mon père me parlait beaucoup de cette... parcelles de terre et d'autres parcelles de l'histoire. D'après ce que je sais de mon père, c'est une parcelle très stratégique. C'est pourquoi c'est très controversé. Ah, c'est pas juste une terre familiale. C'est une terre communautaire. Oui. Tu sais quoi, Ono? Finissons avec les cérémonies de mon fils, pour que nous puissions nous asseoir, faire des délibérations et régler cette affaire une bonne fois pour toutes. Bon, pour qu'il n'y ait aucune forme de distraction du tout, c'est une affaire qui doit être traitée avec délicatesse. Effectivement. Votre Altesse. Ah, nemena no no kadero. Hey, bien. Mwamana tata. Ah! Mwanya karake. Oranda tagarashi tje. Ogwa kanyeku.
Kelechi, je suis vraiment désolé, vraiment désolé. Écoute, je sais que j'aurais dû te rendre visite bien avant, mais ça m'est sorti de la tête. Mais je dois juste me calmer jusqu'à ce que je m'y habitue. Je te l'ai déjà dit, je n'ai aucun problème à cela. Je sais sous quelle pression tu es, d'accord? Excusez-moi, non, ne te dérange pas. Merci beaucoup, mon ami. C'est du jus fraîchement pressé. Goûtez-en. Vous apprécierez. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Alors, je me suis beaucoup inquiété après ton appel. Quel est le problème? Eh bien, mon père veut que je me trouve une femme maintenant. Parlons de trouver une femme. Je pense qu'il est temps que tu commences à regarder ce qui est autour de toi. Sometimes I am fine, but I never... Oh, bon après-midi, mon prince. Bon après-midi, Ketty. Oh oui, Ketty. Oui, mon prince. Comment tu vas? Je vais bien, mon prince. Tu sais, tu as toujours l'air élégante. Oh, tu l'es toujours. Merci, merci. Ne t'inquiète pas, je n'oublierai plus ton nom, ok? Ok, merci beaucoup. Continue ainsi. Merci, mon prince. I am flattered tonight. Let me have a cool time. Fils. Hey, je... Je venais te demander quelque chose. Qu'est-ce que c'est? S'il te plaît, prends place. Toi de même. Oui, Mère, je voulais te demander s'il y a quelque chose de mal pour un prince d'épouser une servante du palais. Bien sûr, il n'y a aucun mal à ça. Surtout que rien dans notre tradition ne l'interdit. Et la jeune fille en question devient finalement une royauté. Elles sont nées des êtres humains et donc libres. Waouh. Waouh. C'est vraiment très impressionnant. Venant de toi, mère. Très impressionnant. Je lui ai donné une leçon. Tu me connais. C'était si mal. Provocatrice. Je ne suis pas une provocatrice. Je voulais juste lire. Hé, hé, hé. Devinez quoi? Devinez. Devinez quoi? Arrête de crier. Nous ne sommes pas ici pour deviner. Que fais-tu là? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ah, pourquoi cette agression? Écoutez, j'ai entendu le prince demander à son Altesse s'il pouvait m'épouser. Pourquoi aimes-tu mentir? Ah, ah, je ne mens pas. Je ne mens pas. Écoutez, quand le prince me voit, il ne veut me quitter des yeux. Il me regarde comme s'il voulait me déshabiller. Madame la menteuse attitrée. Oh mon Dieu, attends, je vérifie. Elle va bien? Oui, sa température est normale. Je suis vraiment stupide pour ça. Ok, d'accord, d'accord. Je sais que tu es jalouse. Ok, je sais que tu es jalouse. Malgré le fait que tu t'es jetée au prince et tu es prétentieuse, le prince ne t'a même pas regardée. C'est moi que tu parles. C'est à toi que je parle. Que vas-tu faire? Tu me parles? Ah! Idiote! Oh, une minute. Tu ne peux pas bagarrer avec ces lunettes. Oui. Maintenant, vous pouvez bagarrer. Vous pouvez bagarrer. Oui. Tu viens de me gifler? Je vais te... Tu vas... Mon prince! Je suis malade! Mon prince! Ah non, 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 non. Ne mettez pas mon prince dans ça. Continue de bagarrer. Hey! Allez. Elle m'a giflé! Mais tu m'entends? Tu n'es pas... Oui, je t'écoute! Hé! Ah! Es-tu folle? Ah! Je te parle! Ah! Es-tu folle? Ah! Tu as le tasse de me giflé? Es-tu folle? Ah! Je te fuis! Ah! Je vais te frapper! Ah! Je vais te frapper! Ah! Espèce de diante! Je te rappelle, je vais me défier, je vais te frapper. Arrêtez d'appeler mon mari. Hé, ma lunette, Connerie. J'ai dit d'arrêter. Tu te prends pour qui là? Arrêtez d'appeler mon mari. Parce que je t'ai laissé faire, stupide fille. Ma reine. Ma reine. Ma belle-mère. Belle-mère. Shinoye, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas une petite chose, ma reine. Toutes ces filles, elles ont, tout est en l'air. Ce n'est pas une petite affaire, oh. Vous voyez ces stupides filles, elles sont en train de se battre. Et lui l'a donné... Shinonye, est-ce que tu vas bien? Désolée, madame, c'est comme ça qu'elles se bagarrent. As-tu dit qu'elles se battent? Oui. Pas elle encore. Oui, madame. Hé, hey, mon Dieu, s'il vous plaît, dépêchez-vous.
Pourquoi cette bagarre? Pourquoi vous battez-vous dans ce palais? Même toi, Shinaza. Je suis désolée, Votre Altesse, mais elle a été la cause. Elle est venue, elle a commencé à m'insulter. Alors je suis lui donner une bonne leçon. Elle est très stupide. Keshi. Quel est le problème? Je suis désolée, ma reine. C'est Shinaza. Je veux dire, elle m'a insultée. Elle m'a grondée. Je veux dire, elle ne respectait pas le fait que je sois la servante directe de la reine. Elle m'a grondée comme si j'étais son égal. Je veux mon Taisez-vous. Parole de la reine. Continuez. Que ce soit la première et la dernière fois que vous vous battez dans ce palais, si vous réessayez, je vais vous envoyer hors de ce palais. Est-ce bien clair? Oui, désolée, madame. Merci, désolée. Madame. Bêtise. Je suis n'importe désolée, quoi. Votre Altesse. Désolée, ma reine. Tu vois? Je suis stupide. Tu vois? Regardez, dégagez d'ici. Regardez votre vie. Non. À cause d'un homme. Ne me dites pas que c'est à cause de mon beau et charmant prince que vous êtes en train de vous disputer ainsi. S'il te plaît, dégage. Dégage. Regardez-vous. Regardez-vous. Ne soyez pas surprise qu'il me choisisse. Quel prince? N'importe quoi. Mon prince a bon goût. Il aime les bonnes choses. Foutaise. Continue à porter les jupes évasées. C'est moi qui va choisir. Attendez. Quand j'enlèverai ceci, vous verrez les belles formes et vous serez choquée. Vous êtes là juste à vouloir irriter ma belle-mère tout le temps. Ma reine, désolée, ne vous préoccupez pas d'elles. Elles ne sont pas éduquées. Dieu merci, vous avez dit que si elles essaient, ce sera la porte, tout à la porte. Je suis trop belle. Oui, j'ai reçu l'invitation du gouvernement. Je serai là bientôt. Majesté, ma majesté. Oui, jeune fille, qu'est-ce qu'il y a qui est après toi? Non, personne, majesté. Ok, alors? Quand je suis allée dans la chambre du prince pour lui apporter un verre d'eau, j'ai vu quelque chose d'abominable. Une servante essayait de le séduire. Chinonnier, pour être précis. Quoi? Oui, majesté. Séduit le prince? Oui, votre majesté. Dans mon palais? Oui. Va la convoquer immédiatement. Tout de suite. Et appelle-moi la reine. D'accord, mon roi. Séduis mon prince. Oui. Cette servante a essayé de séduire notre prince. Quoi? Elle est allée dans sa chambre, peux-tu croire? Comment oses-tu? Où est notre fils actuellement? J'ai envoyé le chercher. Il est en chemin. Je suis très déçu de toi, chinonnier. N'es-tu pas censé être au portail? Pourquoi tu fais une telle chose alors que tu connais la punition? Désolée, votre majesté. Je sais que je devrais être au portail, mais j'ai essayé de protéger mon... Je n'ai rien fait, oh. J'ai juste montré quelques pas de danse. J'ai juste bougé comme ça, tourné mes hanches. Je me suis retournée et je me suis placée, je l'ai regardée dans les yeux, comme ça. Avec mes yeux revolver, j'ai fermé les yeux. Quel est ton problème? Dégage de là. Genre, baby. Tais-toi, ferme-la. Baby. Tais-toi. Es-tu folle? Des fois, monsieur. Quelle bêtise fais-tu, hein? En ma présence? C'est l'amour, monsieur. La folie de l'amour, monsieur. Lolo. Quelle sorte? Maintenant, hors de ma vue avant que je ne change d'avis. D'accord, monsieur. Hors de ma vue. D'accord, monsieur. Avant que je ne jette un sort sur toi. Je suis désolée. Ma reine, j'aime votre fils. Dehors! Désolée, monsieur. Oh Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Mon bébé! Elle devient folle, oh Dieu. Oh mon Dieu.
Ok. Tu veux dire, cette fille va être bannie hors de ce royaume, oui, avec ses parents? C'est exactement ça. Bien sûr. Ah. Si vous voulez mon avis, tu n'aurais pas dû la dénoncer, connaissant le décret de punition. Oh Dieu. Va te taire. Vous voulez toutes la même chose, pas vrai? Je dis, chut. Tout le temps tu veux jouer les petites filles. Les petites filles, je dis, dégage d'ici. N'importe quoi. Elle voulait séduire le prince. Fils sale. Regarde-la. Attends. La séductrice. Hein? Oh. Attends, comment tu le fais? Mon prince. Regarde mes sang. Non, attendez d'abord. C'est votre tour de gloire. Vous vous moquez maintenant. Et moi, je pleure. C'est vraiment mal. Mais attends, Chinaza. Même toi, ce n'est pas le même. Non. La chose que tu allais faire dans la chambre, ce n'est pas ce que tu allais faire. Ma soeur, tu n'es pas intelligente. Tu n'as pas été intelligente, tu en as besoin. Dites-moi où. Ah, peu importe, c'est elle qui a été surprise. Il y avait un piège. Il y avait un piège. Et tu as été surprise. Arrêtez. La bonne nouvelle est que c'est moi. C'est moi que le prince a surpris. Hein? Sauf que mon prince ne sait pas comment ça prend. Écoutez, vous savez quoi? Écoutez, je n'ai même aucune pitié pour elle. J'ai juste pitié de ses parents. J'ai pitié de ses parents. Ma soeur. Le prince m'a supplié. Regarde. C'est moi que le prince a choisi. C'est moi qui l'a choisi. Allons-y. Le prince m'a choisi. Ta révélation est trop forte. C'est vrai, c'est beau que moi. Le prince m'a choisi. C'est vraiment méchant. Mais le prince... Je Oh non, père, c'est un peu sévère. Je suis d'accord avec toi que la fille en question est allée un peu loin avec ses sentiments, oui. Elle a fait tout ce qu'elle a fait à cause de ses sentiments pour moi. Et elle ne devrait pas être crucifiée pour ça, père. Fils, séduire le prince au palais est un acte abominable. Selon nos traditions, père, pas selon la culture occidentale. Ces choses sont tout à fait normales là-bas, il n'y a rien de mal à ça. Mais nous sommes chez nous, et pas en Occident. Sommes-nous dans le monde occidental? Hein? Ok, père. Réfléchissons bien à la situation. Inversons les cas. Oui, que le prince essaye de séduire l'une des servantes de ce palais. Oh, je suis sûr que le monde cherchera à le dissimuler. Fils, une femme digne et respectable ne devrait pas faire une chose pareille. Exactement. Tu es le prince. Tu n'es pas un homme ordinaire. Père, bannir cette fille, ainsi que sa famille, de ce royaume, est totalement inacceptable pour moi. Je ne l'accepterai pas. Elle ne m'a pas tué pour l'amour du Christ. C'est-à-dire que c'est normal, père. Tu peux la pardonner pour ça, s'il te plaît. Père, donne-lui une seconde chance. Je ne peux pas bannir une famille pour aucune raison. Mère, tu ne dis rien. Mon roi, s'il te plaît, donne-lui une dernière chance. Ne la bannis pas. Je vais leur donner un dernier avertissement. S'il te plaît. S'il te plaît, père. Oui. De hors-jeu. Parce que Oninichi ne sera vraiment pas intéressée. Elle ne l'est pas. Il reste toi et toi. Sorcière. Il reste toi et toi. Et toi. Et toi. Et toi. Et toi. Regarde là. Tu vas bientôt partir. Ah bon? Tu vas partir et je vais applaudir. Bravo. Vas-y. Et je serai très fière. Vas-y. Donc. N'importe quoi. Alors, quand partez-vous? Quand tu partiras après ton départ. Regardez-la. Tu as de la chance que le prince ait plaidé à ta faveur.
Sinon, je t'aurais utilisé pour donner un bon exemple aux autres stupides de servantes et de ce palais. Espèce de stupide. Stupide fille. Maintenant, que ce soit la première et la dernière fois que tu te plonges dans une aventure aussi stupide et abominable. M'as-tu entendu? Oui, mon roi. Merci, monsieur. Et fais très attention également, car mes yeux sont posés sur toi. Aucun problème. Ça n'arrivera plus. N'importe quoi. Dégage de ma vue. Dieu merci que mon mari ait finalement plaidé pour moi. Je suis heureuse. Sors d'ici. Désolé, beau-père. Désolé, monsieur. Je voulais montrer comment notre monde serait. Un exemple. Hey, mon roi. Où as-tu ramené cette folle? Tu ne l'as pas envoyée. Merci d'avoir rangé les choses. Je suis fière de toi. Ce sont les qualités d'un bon roi. Hein? Tu sais. Est-ce que j'ai le choix? Hein? Hein? Je ne peux rien te refuser, ainsi qu'à mon fils. Hein? Tu as bien fait. Merci. Je suis fière de Merci. Toi. Merci, je t'en prie. Mais assure-toi. Assure-toi d'avoir un œil sur elle. Je le ferai. C'est vraiment culotté. Elle t'a appelé beau-père. S'il te plaît. Dieu en jeu. Peux-tu te calmer? Ferme. Au moins une personne Ferme est partie. Ferme-la. Ferme-la. Calme-toi, une personne est en jeu. M'as-tu entendu? Calme-toi, une personne. Somebody for me. Mommy think for me. So what's in for me? Someone sing it fine. Mama sing it fine. Only moti mote. Gane mi so mi so. Gane mi so mi so. Mommy mi so. Yeah! T'es une espèce de folle. Une minute, excuse-moi. Je pense que tu étais censée quitter ce palais. Et que fais-tu déjà? Comment célèbres-tu le fait que tu vas tourner? Et mes amis, non, non, eh. Wow. Et mes amis, non, non. Oh, oh, non, non. Et mes amis, non, non. Attends, attends une minute. On regarde, un conducteur va te gommer dehors. Tu es dégagé d'ici. Écoute, écoute, ma chère, détends-toi, détends-toi un peu. Écoute, le prince a donné l'ordre. Power. Il est juste allé ouvertement vers sa mère et a dit, maman, écoute, si tu n'en y pars, je pars. Menteuse. Menteuse! Arrête de crier! Menteuse, menteuse, menteuse! Ta gorge va se casser! Je suis là! En plein temps! En permanence! Attends, attends, tu n'es pas censée être bannie avec tes parents? J'ai déjà été bannie, non? Je suis déjà bannie, alors je peux te bannir aussi. Donc je te bannis maintenant. Ah. Attends, attends, quelqu'un peut-il me dire ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que je vais rester en permanence. Avec tout mon corps. Je n'irai nulle part. Ah. Donc, le prince t'a dit de rester? Évidemment. Si tu t'en vas, lui aussi? Tu as tout compris. Tu devrais être très reconnaissante envers les dieux. Que ton dernier acte ne t'a pas causé d'ennui. Une femme digne et respectable n'est pas censée se retrouver à poser un tel acte. Laissez le cœur de mon fils aller vers qui il veut. Arrêtez donc de vous jeter à lui ainsi. Une femme qui respecte son corps ne s'investit pas à poser un tel acte. Ne laisse pas tes émotions prendre le dessus sur le sens de la raison. Et encore, Shinoye, je ne veux pas te voir ou toute autre servante. Par Oniyeshi, vous occupez du prince. Ai-je été assez clair? Oui, ma reine. C'est mieux. Je suis désolée, ma reine. Sois désolée pour toi-même. Excuse-moi. Yeah. Ah, ah. Cette petite chose que j'ai fait. Hein? On n'a rien fait. Où? Qu'est-ce qui cause tout ce drame? Cette tension, nervosité, dérèglement mental. Comme si on avait fait quelque chose. Yeah! Et on se retrouve devant le tribunal, avec deux avocats et deux juges. J'ai des sentiments pour le prince. Ah ah! Hakuna, qu'est-ce qu'il y a? Assieds-toi. Je suis occupée. Quoi? Ok, je vais te demander quelque chose. Je t'écoute. Ah, pourquoi cet air sérieux?
Je t'écoute. Ok, je voudrais que tu me permettes de servir le prince à ta place. S'il te plaît, c'est juste une faveur que je te demande. Qu'est-ce que c'est? Ok, je voudrais que tu me permettes de servir au prince des fruits. Je te promets, je lui dirai que c'est toi qui m'as envoyé. Pourquoi ferais-je ça? S'il te plaît. Non, je ne ferai pas une telle chose. S'il te plaît, s'il te plaît. J'étais occupée avant que tu ne m'attires ici. Et je retourne à mon devoir. Merci. N'importe quoi. Juste pour servir le repas du prince. Qu'est-ce qu'il y a de si difficile pour servir le repas du prince? Je ne suis pas à l'aise avec ça. Pourquoi seul Onishi doit servir le prince? Est-il tombé amoureux d'elle? Cela ne peut pas arriver. Pas tant que je suis dans ce palais. Écoute, le prince ne pourra pas la choisir à ma place. Ça ne peut pas arriver. Je ne devrais même pas te parler. Tu es tellement émue de ta personne. Pourquoi tu es si prétentieuse? C'est à moi que tu parles? Oui. Que vas-tu faire? Ce que je vais faire. Oui. Je te parle comme j'en ai envie. Non, tu ne feras pas. Je suis venue te dire que le prince peut. Donc le prince peut pas tomber amoureux de moi. Pourquoi tombera t il amoureux de toi? Non, le prince sera une grande fille comme moi et tombera amoureux d'une courte fille comme toi. Oh, si bien. Je suis courte, je suis petite. Mais qu'est-ce qu'il va regarder chez toi? As-tu ça? Non, je n'ai pas. As-tu ne sais pas ça? Que tu es presque obèse. Je suis presque obèse. Es-tu folle? Regarde celle-ci. Le prince ne peut pas me laisser il pour peut, toi. Il peut, il ne peut pas tomber amoureux il de toi. Il tombera amoureux de moi. Il ne le fera pas. Il ne le fera. Trop amoureux de ta personne. Je sais plus de toi-même. Il ne le fera pas. Me touche pas ici. Il ne le fera je pas. Pète. Qui es-tu? Je suis trop amoureux de ta personne. Vous devriez écouter et écouter très attentivement. Depuis quelques semaines, ce palais a été très bruyant à cause de vous. Vous vous battez et vous disputez tout le temps. Et je suis très consciente que ceci est à cause du prince. Écoutez, mon fils le prince sait exactement qui il veut. Alors je veux que vous vous respectiez et que vous soyez calme. Oui, votre majesté. Oui, votre altesse. Nous sommes désolés, nous sommes désolés, votre altesse. Ne vous donnez pas l'air d'être bon marché. Oui, votre majesté. Oui, votre altesse. As-tu entendu? Tu es folle. Désolé, votre altesse. Quiconque troublerait la paix dans ce palais se verra renvoyé immédiatement. Suis-je suffisamment clair? Oui, votre majesté. Oui, votre altesse. As-tu entendu? Nous sommes désolés, votre altesse. Vous pouvez maintenant retourner à vos différents postes. Oui, votre majesté. Il faut partir. Vas-tu dégager de là? Dégage. Votre altesse, en tant que votre servante personnelle, puis-je rester? Personnelle quoi? Je n'ai pas de servante personnelle. Tu n'es qu'une simple servante. Dégage! Je vais en finir avec toi. Désolée, ma reine. Sors d'ici. Vous croyez qu'en vous vendant au prince, vous allez vous marier à lui? Princesse, princesse, veux-tu m'épouser? Oh, Dieu. C'est ainsi que le prince chantera pour moi. Et je répondrai, mon prince, je vais t'épouser. Mon prince, je vais t'épouser. Ah, ah, attends. Quoi? Je ne comprends pas. Pourquoi tu sors seule? Qu'est-ce qui se passe? Où est Chinaza? Mais je ne me plains pas. Tu te plaignais avant. S'il te plaît, rentre vite au haut pour que la faim ne me tue pas. Il se fait encore tôt et tu parles déjà de faim. C'est pour cette raison que tu grossis minute par minute. Tu manges trop. Oui. Ah, tu ne pars pas avec le chauffeur. Il faut partir avec lui pour que ça aille vite. Je vais d'abord faire un saut chez moi. Tu n'as aucun respect. Donc comme ça, tu veux d'abord t'arrêter chez toi et laisser la gardienne de sécurité de tout un palais affamé. Hein? Tu n'as aucun respect. Ferme le portillon. S'il te plaît, viens fermer. Encore une chose. Achète-moi 12 à coups. 12. Compris? Viens fermer ce portillon. Le gâteau à coups. J'en mourrai si je n'épouse pas le prince. C'est moi qui choisira. J'ai de l'espoir.
Le prince connaît les bonnes choses. C'est moi qu'il choisira. Ah, oh, tu es de retour. Oui, que fais-tu à la cuisine? Je nettoie. Je viens de finir la cuisine. Tu aurais dû attendre que je revienne. Pour que tout le monde de ce palais meure de faim. Hein? Nous t'avons attendu. En fait, nous t'avons attendu à ce que tu rendes chez ton petit ami. Ne m'insulte pas, Tinaza. Je n'ai pas de petit ami. S'il te plaît, les hypocrites sont pires. Hein? Elles sont pires. Va servir le repas. Je l'ai déjà cuisiné. Tu sais, je sais aussi préparer. Merci. Mais donne-moi la grosse viande. Je veux le gros morceau. Je veux le tu gros morceau. Tu aimes les c'est ce que je vais te donner. À qui le donneras-tu? Girls are silly, they are running up to me. I cannot believe that you're in the zone. Qui a fait cette nourriture? Votre Altesse, c'est moi qui fais la cuisine. Je sais que c'est si délicieux. Bon appétit. Régalez-vous, Votre Altesse. Bon appétit. C'est si délicieux. Je lavais mes mains avant de faire ce repas. Onyeshi, où étais-tu? Tu lui as permis d'entrer à la cuisine? Ma reine, je suis désolée. Je suis allée au marché et à mon retour, elle l'avait déjà cuisiné. Oui, parce que je savais que vous alliez avoir faim. Cette nourriture est trop épicée et salée à la fois. Tu as vu? Je suis vraiment désolée, ma reine. Je suis désolée, Votre Altesse. Je suis désolée. Votre Majesté, désolée, ma reine. Tu dois apprendre d'elle. Tu ne sais pas préparer. La seule chose que tu sais faire, c'est de te battre et crier. Et toi, assure-toi la prochaine fois de ne pas la laisser entrer dans cette cuisine pour faire à manger. Oui, ma reine. Débarrasse cette nourriture. Je suis désolée, Votre Altesse. Je voulais juste que vous ayez un repas somptueux. Je ne savais pas que ça allait être un gâchis. Avance. Je suis désolée, Votre Altesse. Tinaza! Tu as vu ce que tu as causé? Je t'ai dit d'attendre jusqu'à ce que je revienne. Tu as refusé. Tu es allée préparer à ma place. Qui t'a envoyé? Je crie si je veux. Ok, pourquoi tu cries maintenant? Je n'essayais pas de t'aider. J'essayais de camoufler ton absence. Comment était-ce censé savoir qu'il n'aimerait pas ma Biko, cuisine? Biko! La prochaine fois, ne m'aide plus avec la cuisine. Laisse jusqu'à mon retour. Pourquoi? S'il te plaît. Pourquoi tu cries? Sauf si tu es prête à apprendre. Alors ok, pourquoi tu cries maintenant? Finis de crier et va faire la vaisselle. Je l'ai laissé pour toi là-bas. Je vais aller manipuler mon téléphone. Tu ne sais pas qu'après avoir cuisiné, tu nettoies la cuisine et je fais la vaisselle. N'importe quoi. Espèce de paresseuse. Papa, mais tu ne fais rien concernant cette affaire du prince. Figure-toi qu'il a choisi une autre servante pour répondre à ses besoins. Je suis censée le faire moi. Tu ne dis absolument rien de ça. Tinaza, je t'ai déjà dit plusieurs fois de te concentrer sur ce pourquoi tu es ici. Laisse le prince tranquille. Si le prince t'aime vraiment, il viendra vers toi. Pas besoin d'aller vers lui. Papa, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Use de ton pouvoir de Nowu pour que le prince s'intéresse à moi. Je suis censée être sa Tinaza, favorite. Je suis ici pour quelque chose de plus important. Je suis là pour discuter avec sa majesté. Pas ceci. Maintenant, retourne à ton travail. Pas ceci important. Tu ne veux pas être le... Tu ne veux pas être de la royauté. Bonjour, ma reine. Votre majesté, vous êtes très ravissante. Oh, Nowu, tu es là. Oui, ma reine. As-tu déjà vu sa majesté? Pas encore, ma reine. Tinaza. Votre majesté. De quoi es-tu occupée à parler avec ton père? Vous savez, ne faites pas attention à elle. Elle est très têtue. Et elle est si ennuyeuse. Je le vois. Elle est vraiment fan de toi. Vous pouvez le redire, Votre Altesse. Alors,
À bientôt, Onowu. C'est d'accord, votre majesté, vous êtes très belle. Vous êtes incroyable. Chut, tais-toi. Papa, tu dois faire le nécessaire. Fais le nécessaire. Maintenant, retourne à ton travail. Tout de suite. Ne crie pas. Tu n'as pas besoin de crier. Va. C'est quoi ces bêtises? Ma fille, pendant que je suis en train d'attendre le roi, apporte-moi cette sauce. Celle-là qui a préparé avec du berry wonko. D'accord, Ono. Et avec l'igname pilé. Ce qui est très bien pilé. Oh. D'accord, Ono. Cela me revient avec de l'eau bien fraîche, bien glacée. Oh. Okay. Rapidement. Merci. Ono. Ah, votre majesté. Ono, Akagwe. Igwe, Eze, Onigbo. Premier. Tiganaga. Eze, Onigbo. Premier. Odogu, 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 Ono. Je souris juste, mais je suis peuré. Quel est le problème, majesté? Je vais te dire. Je ne suis pas heureux. Oh non. La façon dont les choses se passent. Je ne suis pas à l'aise. Ouais. Quel est le problème, majesté? Prends place. Est-ce que tu peux croire jusqu'à présent que mon fils ne m'a pas encore donné de retour concernant sa recherche d'une femme? Il ne m'a encore rien dit, absolument rien. Quand je lui demande, il détourne la question et puis s'en va. Que se passe-t-il? Je ne suis plus à l'aise. Votre majesté, je pense que ce jeune homme devrait être bien guidé pour ne pas commettre d'erreur. Que veux-tu dire? Oui. Vous savez, il a été à l'étranger pendant très longtemps. Il ne connaît pas assez cette partie du monde. Naturellement, il ne connaît pas la famille. Il doit être correctement guidé avant de se tromper de famille et de prendre une mauvaise femme. Peine perdue. Rappelez-vous de votre statut. Oh non. En effet, deux bonnes têtes valent mieux, qu'une tête. Keshi! 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 Oui, ma reine. Oui, ma reine. Keshi. Oui, madame. La raison pour laquelle je t'ai employée dans ce palais est de t'occuper de tout ce qui me concerne. Oui. Alors, que fais-tu depuis le matin pour que ma chambre ne soit pas rangée? Je suis très désolée, ma reine. C'est tout ce que tu peux dire? J'essayais de m'occuper du prince, ma reine. Tu essayais de faire quoi? Je m'occupais du prince, ma reine. Effectivement! Tu traînais autour du prince, balançant tes seins à gauche et à droite. Je suis désolée, ma reine. Je te donne 3 minutes pour aller là-haut. Et faire le ménage dans cette chambre. D'accord. Tout de suite. Oui, ma reine. Immédiatement. Oui. Oh non. Quel est le problème? Majesté. Ichie Okadike a vendu une parcelle de terrain à mon jeune frère, Madoka. Il y a environ 2 ans. Quand il était vraiment dans le besoin. Vraiment dans le besoin. Maintenant, son frère est allé en ville et s'est fait beaucoup d'argent. Et il revient réclamer le même terrain qui avait été jadis vendu à mon frère. Depuis ce temps, il envoie des injures après injures après injures après injures à mon frère. Pouvez-vous arranger cela, majesté? Pouvez-vous? Madoka. Majesté. Tu as entendu. Ton frère Ono. Oui. C'est vrai. Merci, Majesté. Eh bien, j'ai reçu des appels étranges d'Ichi, Okadike et de ses hommes.
À propos du terrain que je lui ai acheté il y a de cela 2 ans. Depuis quelque temps, Majesté, j'ai aussi reçu des messages de menaces de mort. Je ne peux même plus m'occuper de mes affaires habituelles de peur d'être suivi par ces hommes. Comment les gens raisonnent-ils parfois? Comment quelqu'un peut-il faire ce genre de choses? Je ne comprends pas. Dans mon royaume. Oh. Comment peux-tu manger? Une chose est interdite. De toutes les façons, Ono, je voudrais qu'Ishi Okadike soit convoqué dans mon palais. Pour une justice équitable, je voudrais entendre sa version de l'histoire. Ça, c'est ma position pour l'instant. Ce sera génial, Majesté. C'est d'accord, mon roi. Ishi Okadike. Oui, votre Majesté. Je veux entendre ta version de l'histoire. Votre Majesté, je ne lui ai jamais vendu ce terrain. Je l'ai juste garanti comme pour un prêt. Que je suis bien sûr prêt à rembourser. Mais il a bien sûr refusé cet argent en prétendant que je lui ai vendu ce terrain. Maintenant, Majesté, qui dans son bon état d'esprit vendrait un si grand terrain pour une aussi petite somme d'argent? Ce n'est qu'un fou qui peut faire ce genre de choses, Majesté, et je ne suis pas faux. Quoi? Seul un fou peut faire ça. Je ne lui ai pas vendu le terrain. Ishi Okatike, es-tu sûr de me dire la vérité? Votre Majesté, je vous dis la vérité, rien que la vérité. Menteur! Merci, Majesté. Cet homme ici présent ne dit pas la vérité. Comment oses-tu mentir au roi? C'est la vérité, je ne dis que la vérité. Je vous ai entendu tous les deux. Je souhaiterais que vous partiez et que vous reveniez dans ce palais le prochain jour du marché d'Eke, très tôt le matin. Ishi Okadike. Oui, votre majesté. Comment oses-tu? J'ai fait des investigations sur cette affaire. Et j'ai réalisé que tu m'as menti. Mentir? Non, mon majesté. Tais-toi. Ferme-la. Les informations qui me sont parvenues indiquaient que tu as vendu ce terrain à Madoka quand tu étais dans le besoin d'argent. Puis ton jeune frère est allé en ville et s'est fait un peu d'argent et est revenu. Et tu es retourné pour vouloir récupérer le terrain. Est-ce vrai ou faux? Majesté, vous ne pouvez pas comprendre. Qu'est-ce que je comprendrai pas? C'est le seul terrain que nous avons qui reste à ma famille. Oh! Et tu as vendu le seul terrain qui restait de ta famille? N'as-tu pas honte de toi? N'as-tu pas? N'importe quoi. De toutes les façons, j'ai demandé à Madoka s'il est prêt à te revendre le terrain. Mais il a dit non. Alors, je te conseille d'utiliser l'argent que ton frère a gagné, de chercher un autre terrain ailleurs et de l'acheter. Ce terrain reste la propriété de Madoka. Et c'est définitif. Mais Majesté! Hors de ma vue, maintenant. Majesté! Hors de ma vue, maintenant! Dégage de ma vue, avant que je ne décide de jeter un sort sur Majesté, toi. Majesté, s'il vous plaît, permettez-moi d'expliquer. Merci, votre Majesté. Je t'en prie, Ono. Merci d'être juste dans votre jugement. Et c'est pourquoi nous sommes fiers de vous. Que les dieux continuent de veiller sur vous. Ça me va droit au cœur. Vous avez jugé cette affaire avec équité. Et ça a été en ma faveur. Merci. Oefo. Vous êtes un grand roi. Je défends la justice et l'équité en tout lieu et en tout temps. Merci.
Regarde-les-moi. Je m'occuperai de vous deux. Je vais m'occuper de vous. Parce que Théonou, pensez-vous vraiment faire passer le jugement du roi en votre faveur? Je vais m'occuper de vous. Vous saurez qui je suis. Tu ne peux absolument rien faire. Je ne peux rien faire. Tu n'es qu'un pauvre fou. S'il te plaît, allons-y. Évitons ce monsieur. Cet homme est méchant. Je suis méchant. Tu as le privilège que je t'adresse la parole. Allons-y. Si tu te dis homme, alors pourquoi est-ce que tu t'enfuis? Tu n'es qu'un pauvre fou. Allons-y, allons-y. Et je m'occuperai de toi au bon moment. Cet homme est méchant. Vos oreilles de mes nouvelles. Vos oreilles de mes nouvelles, ce n'est pas fini. Ce n'est que le commencement. Mon roi. Mon amour. C'était quoi ce bruit? Ne t'occupe pas d'Ishio Kajike. Un homme menteur et prétentieux. Il veut que je juge en sa faveur et pourtant il a tort. Qui fait ça? S'il te plaît, assieds-toi. Assieds-toi. Je vais t'expliquer. Comme un homme, un lopin de terre, et après un certain temps, il revient et veut récupérer le même lopin, tout simplement parce que son frère s'est fait un peu d'argent. Hein? Et il s'attend à ce que je juge en sa faveur. Comment ça? Chérie, s'il te plaît, tu dois te calmer. Tu n'as pas peur de la transparence, alors ne laisse pas ceci t'atteindre. Ça va aller, ma chère. J'ai déjà rendu le jugement sur la question. Et il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas. Ok. Chérie. Merci. Puis-je t'apporter du jus frais? Oh, c'est une mort. Oh, d'accord, ma reine. Je pense que ça va me calmer. Oh, tu vas aimer. Si. Merci. Ah, qu'est-ce que je ferais sans toi? Lolo. Mon roi. Je suis dérangé par tout ceci. Je ne vois aucun signe de sûreté en notre fils. Il ne se comporte pas du tout comme un homme qui veut une femme. Alors, qu'allons-nous faire? Je suggère que nous l'assistions sans avoir l'air de le faire. Donnons-lui un coup de main. Et vois s'il va apprécier. Je ne voudrais pas qu'on lui impose une femme. Non. Il ne s'agit pas ici d'imposer. Il décidera toujours s'il aime la fille ou pas. Mais faisons quelque chose. Nous sommes ses parents. Alors, mon roi, où penses-tu que nous allons trouver cette femme? Je pense que tu peux contacter l'une de tes amies, reine. Lola. Ton ami intime, je me rappelle que tu m'avais parlé de sa fille. Que c'est une fille bien et qu'elle n'est pas encore mariée. Tu as vraiment vu juste, sa majesté. Je sais quoi faire. Je vais essayer de l'appeler et voir si sa fille peut venir ici et passer le week-end avec nous. Ok. Obiagagiono. Obiagono. Oui. Et kunyaku. Ogonyabono. Oboyeme, oba obo. Et pour l'homme. C'est ça. Majesté, je pense que je devrais déjà l'appeler. Je ne veux pas retenir. Oui. Plus vite tu le fais, mieux ça serait. Mais. Thank you.
Wow. Bienvenue, ma chérie. Viens. Tu es la bienvenue. Oh, wow. Ici, comme chez toi. Merci. Oh, votre majesté. Oui. Laissez-moi vous dire que votre palais est absolument magnifique. Tout que je regarde. Ah. Oh, tout est beau. Regardez ces fleurs. Magnifique. Oh, oui, je me sens bien ici. Ok, sois la bienvenue. Oui, Chino bien y prendra tes affaires. Suis-moi. Bien sûr. Sois la bienvenue, sois la bienvenue. Relève-toi, ma chère, relève-toi, ma chère. Ah, elle est magnifique. Oui, elle est. Incroyable. Sois la bienvenue. Merci. Comment se porte ton père, Igwe Ojimoji? Il se porte bien. Il vous envoie ses salutations. Et ta mère, Lolo? Elle va bien, mon roi. Elle va bien. Elle ressemble à sa mère. Absolument. Absolument. Si jolie. Tu es la Merci. Bienvenue. Merci. Ma chère, sens-toi chez toi, hein? Sois à l'aise. Merci. Lolo ici présent t'ordonnera un traitement royal. Merci, merci, ma chérie. Oui, je te donnerai un traitement royal. Viens, on va visiter. Merci. Merci, le prince. Ne t'inquiète pas, tu vas le rencontrer. Ah là! Elle allait bien. Elle est belle. J'espère que mon fils tombera sur son charme. Voyons voir comment ça va se passer. Alors, ma reine, j'ai été à Paris. Je suis allée dans ce pays africain pour aider les sans-abri, l'Ouganda. L'Ouganda, je suis allée dans ce pays africain pour leur donner à manger. J'ai fait plus que ça, oui. Tu ne l'as pas vu parce que j'aime être discrète. Alors, je suis allée dans ce pays africain. De temps en temps, je leur donnais à manger. Tu sais, je ne sais, nous avons de l'argent. Alors, je ne sais pas, je ne veux pas savoir ce que ça fait de ne pas avoir d'argent. Alors, wow. Je ne veux pas comprendre, je veux juste aider. C'est très gentil de ta part. Alors, reine, où es-tu allée? Je suis allée à Lyon. Je suis allée à Bordeaux. Les deux se trouvent à Paris. Ah. Oh, pas pour te corriger, c'est juste que probablement tu utilises l'anglais en français, c'est Paris. Paris. Non, d'accord, d'accord, c'est Paris. Non, non, ma reine, c'est Paris, tu descends Paris. Paris. J'ai compris. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et Bordeaux, pas Bordeaux. Et Bordeaux. Et l'autre, Lyon. Reine mère, on dit Lyon. Lyon. Tu n'as pas besoin de faire comme moi avec les lèvres. Juste prononce Lyon. Lyon. Merci, ce n'est pas comme ces choses, ces bijoux que nous portons. D'accord. C'est le nom d'un lieu, donc c'est ça. Reine mère, je n'ai pas vu le prince depuis que je suis arrivée. Oui, je ne sais pas ce qui le retient, mais il sera là bientôt. Eh bien, j'aimerais le rencontrer, tu sais, avoir une conversation avec lui. Lui parler, c'est pour ça que je suis là, n'est-ce pas? Bien sûr, tu es là pour ça, ma fille. Ok, si tu le dis, je comprends. Mmh. Et pour l'Amérique, j'en parlerai à mon père. J'ai hâte d'être à Amérique. J'ai hâte d'être là-bas. Oh oui, bien sûr. Votre Altesse, j'écoute. Le dîner est servi. Oh, merci beaucoup. Je vous en prie, Votre Altesse. Bye. Le dit. Oh, je l'aime bien. Elle est si... C'est une gentille fille. Je l'aime beaucoup et en plus, elle est très belle.
Je ne comprends pas pourquoi tu me traînes comme ça. Baisse ta voix, s'il te plaît. Qui est cette dame? Visiblement, c'est une princesse. Comment suis-je censée connaître? Eh bien, je ne comprends pas pourquoi il demande après mon homme. Pourquoi tu me regardes? Le prince est mon homme. S'il te plaît, je suis très occupée à l'intérieur. En plus, je n'ai rien à voir avec ce que la famille royale fait ou ne fait pas. Si tu veux tellement savoir, tu peux aller leur demander toi-même. Excuse-moi. Hypocrite! À chaque fois, tu feras semblant. Les hypocrites sont pires. À chaque fois, elle fera semblant. Je n'aime pas le prince. Si le prince fait sa demande aujourd'hui, elle acceptera. Hypocrite, n'importe quoi. Aïe! Qui me donnera cette information maintenant? Hey. Vous êtes là. Oubliez mes manières. Ma mère m'a dit que vous viendrez. Hein? Alors, savez-vous depuis combien de temps j'attends que vous reveniez? Vraiment? Oui, et vous avez l'air si mignon. Vous savez, je ne vous imaginais pas si mignon. Merci beaucoup pour le compliment, mais voyez-vous, je vais devoir aller à l'étage pour faire quelque chose. Alors, installez-vous confortablement. Maintenant? Ok. Oui, tout de suite. Fais quelque chose de mal? Oh, non, non. Sentez-vous à l'aise, ok? D'accord? Mère, qu'est-ce que tout ceci veut dire? Fils, je suis fatiguée, je viens de rentrer. Non, mère, nous devons parler ici et maintenant. Fils, pourquoi parles-tu ainsi? Tu ne l'aimes pas? Mais n'est-elle pas belle? Mère, je croyais qu'on était d'accord sur le fait que je le ferais à ma façon. Oui, nous l'étions. Mais ton père et moi avons pensé que ce ne serait pas si mal si nous intervenions. Mère, s'il te plaît. Je n'aime pas l'idée de tout ceci. Je ne suis pas d'accord. Je ne le suis pas. Fils, tu dois te calmer. Ne baisse pas les bras avant d'avoir essayé. Je te promets, tu vas l'aimer. Je ne pense pas que ce sera le cas, mère. Pourquoi mon fils me fait sentir comme si je ne sais pas ce que je fais? Princesse. Reine-mère, bonjour. Bonjour, ma princesse. Comment tu vas? Je vais bien, s'il te plaît. Ne te gêne pas. Ok, j'espère que tu as passé une merveilleuse nuit. Oui, tout à fait. Tout à fait. Le palais est vraiment paisible. J'aime bien. Merci. As-tu vu le prince? Eh bien, il est sorti ce matin. C'est quoi cette expression? Reine-mère, on dirait qu'il m'évite. Il parvient pas à me dire bonjour. Je m'attendais à une conversation ce matin, mais il s'est éclipsé comme... N'aie pas cette impression. Il a été très occupé. Mais une chose est sûre, c'est que vous aurez le temps de discuter et de parler, ok? Reine-mère, il est évident qu'il a un projet à main, parce que la façon dont il s'est précipité, c'est surprenant, Et j'ai dit qu'il était très occupé. Tu es très jolie ce matin.
Merci. Alors dis-moi, jusqu'ici tout va bien. Comment te traitent les servantes? Oh, je pense que j'ai rencontré l'une d'entre elles. La blonde. Je ne me rappelle pas de son nom, mais elle a été si gentille envers moi. Elle m'a donné du jus. Elle m'a demandé si j'avais besoin d'autre chose. Si je rentre à la maison, je rentre avec elle. Ok, prends soin de toi. Merci. Je te cherchais pour me rassurer. Merci, ma reine. Merci. Salut, salut les filles. Bienvenue, madame. Ok, êtes-vous occupée? Je voudrais donner un coup de main. J'aime bien faire la cuisine. Je ne suis pas occupée. J'essaye juste de faire un café pour la reine. Ok, pas de problème. Alors, qu'avons-nous pour le petit déjeuner? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, madame. S'il vous plaît, nous n'avons pas besoin de vous ici. Nous n'avons pas besoin de vous. Voilà le chef. Permettez qu'elle fasse son travail, s'il vous plaît. Laissez-nous tranquilles. Nous avons de la soupe aux légumes non. Ça ira, chérie. Je veux juste une faveur de ta part. S'il te plaît, peux-tu aller là dehors et demander au gardien d'arrêter le groupe? Ça fait trop de bruit. C'est les groupes électrogènes. Électrogènes. Porte quoi? Local. Demande-lui d'éteindre. Mais cependant, s'il te plaît, ma chérie, je voudrais faire le petit déjeuner à mon mari. D'accord, madame. Je pense que vous ne devriez pas stresser pour ça. Non, non, du tout. Alors, s'il te plaît, aide-moi à couper les légumes, parce que je ne voudrais pas saler la maison. Ok. Je vais vous aider. Merci beaucoup, ma chérie. Ah! C'est quoi encore son nom? Vous pouvez dégager d'ici. Chinaza. Oh, la chienne. Oh, mon Dieu. Quelle belle chaussure. Bon marché. Vous pouvez dégager d'ici n'importe quoi. Bêtise. Chinaza, assez. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Pourquoi ne devrais-je pas crier? C'est une princesse. Princesse mon œil. Princesse de la côte. Elle veut nous préparer du chat. Chinaza, elle vient de la ville. Ville, mon œil, n'importe quoi. Si tu réfléchis, peut-être de l'étranger. Quel étranger? Écoute, elle ne peut pas avoir le prince. J'ai le prince dans ma chair. En tant que fille de nos, je mérite le prince. Une princesse? Princesse. Une servante. C'est ça. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, s'il te plaît? Dépêche-toi avec cette nourriture et je me sers la première. Je ne sais pas pour qui elle se prend. Elle se prend pour une princesse de la côte. Peux-tu imaginer? Nous donnons les ordres. Fais ceci, fais ceci, fais ceci. La gifle. C'est folle. Je ne pense pas que le prince soit intéressé par elle. Je ne les ai jamais vues ensemble. Il ferait mieux de ne pas. Elle ferait mieux de faire ses valises. C'est ce qui est mieux pour elle. Parfois, quand tu parles comme si tu avais tout le pouvoir et l'autorité dans ce palais. Vas-tu te taire? Tais-toi. N'importe quoi, tu es folle. De toutes les façons... J'ai entendu que c'est une princesse et la fille de l'ami de la reine. On s'en fiche. Donc, qu'elle soit la princesse de la forêt maléfique, ce ne sont pas mes affaires. En ce qui me concerne, le prince est à moi, que vous le vouliez ou pas. Écoute, si je vas-tu te taire? Si je te donne une bonne... N'importe quoi. Une bonne claque, tu vas parler. Je ne sais pas pourquoi vous vous déchirez pour un prince qui est déjà marié. Qui parle? Va peigner tes cheveux. Tu ne comprends rien. Toi, rejoins ton poste. Moi qui... On parle de qui intéresse le prince. Tu ne sais pas que... Tu ne sais pas que quand je conduis le prince, il me fait des clins d'œil. Il me fait des clins d'œil. Vous êtes des losers. Tant pis, oh. Vous serez surpris, oh. Le prince est déjà à moi. Prince! Oh, je suis en fait sur le point de sortir. Dès que je reviens, on en reparle, ok? Mais j'insiste, s'il te plaît. S'il te plaît. Ok. J'écoute. Tu m'évites. Pourquoi? N'était-il pas venu à l'esprit que je suis ici pour toi?
Eh bien, je n'ai pas sollicité ta présence. Oui. Par tes actions, je peux le voir. Tu n'es pas intéressé. Visiblement. Et je suis surpris qu'une femme de ton rang se prête à ce jeu. Eh bien, ma mère m'a demandé de le faire. Alors, je respecte juste ses désirs. Bien. Écoute. Je suis désolé si j'étais offensé ces derniers temps. Mais écoute. Je ne peux pas faire ça. Ok, nous ne pouvons pas être ensemble. Hey, tu es une très belle femme. Tant d'hommes là-dehors aimeraient bien t'avoir comme épouse. Mais pas moi, parce que je ne te trouve pas attirante. Désolé pour ça, mais bon, je ne veux pas perdre mon temps. Ah, je comprends. Mais nous pouvons être amis, pas vrai? D'accord. Amis, nous pouvons, mais pas mari et femme. Ok, tu n'as pas à te déranger, merci. Hey, merci beaucoup pour ta compréhension. Je t'en prie. Mère. Qu'est-ce qui se passe chez toi? Pourquoi n'es-tu pas gentil avec la princesse Ozioma? Mère, je m'attends à ce qu'elle soit plus instruite et qu'elle s'exprime dans tout ceci. J'ai parlé à cette femme et je lui ai dit, avec les mots justes, que je n'étais pas intéressé. C'est quoi tout ceci? En fait, elle n'est même pas censée être là, sans mon consentement. Mais fils, tu peux lui donner une chance. Il n'y a pas de mal à essayer. Mère, vois-tu, c'est un sujet qui concerne mon cœur. C'est de mon bonheur dont on parle ici, mère. Tu devrais le comprendre plus que toute autre personne. Je ne peux pas simuler. Je n'ai aucun sentiment pour elle, vois-tu. Tu devrais la renvoyer, mère. Elle peut trouver l'amour ailleurs qu'ici. Si c'est ce que tu veux, alors j'abandonne. Oh oui. C'est exactement ce que je veux. Et je sais ce que je veux, mère. Je ne veux pas d'elle. Princesse Ozioma, comment puis-je te regarder dans les yeux et te dire que mon fils ne t'aime pas? C'est une fille si gentille. Salut, maman. Hey. Na. Sois la bienvenue. Maman. Je t'ai vraiment stressée. Maman, bon, maman, ne te dérange pas, ne te dérange pas. C'est pas vrai. Je ne voudrais pas. Je ne te laisserai même pas aller au marché. Eh oh. Tu peux vérifier. Que ferais-je sans toi? Comment s'appelle-t-elle, maman Keshi? Elle t'envoie ses salutations. Oh. Ah. As-tu vu l'ogiri? Oui. Maman, fais-moi confiance. Elle m'a ajouté un supplément, c'est ça, à l'intérieur. Tu sais, je sais très bien m'y prendre pour qu'elle ajoute un peu plus. Maman, t'as mon nez. Tu sais, j'ai besoin d'eau, donc tu peux le garder. Ah, maman, je reviens. Ok. Hé, ce garçon est un ange. Regarde le piment qu'il m'a acheté. Il sait exactement ce que je veux. Hein? Qui peut le croire? Très frais et dur. Hé, que ferais-je sans ce garçon? Hein? Mon Dieu le bénira. Oh! Aussi vite? Ah, non, tu as oublié que... J'ai oublié. Je suis Dike. Dike. Tu es un Dike. Hey, Timo. Hey. Merci. Maman, comment vont les affaires aujourd'hui? Ah, je fais de mon mieux. Tu sais, la plupart des choses ne sont pas ici. Hmm. C'est pourquoi je t'ai envoyé acheter tout ça. C'est vrai. Merci. Des nouvelles d'Onieshi? Hey, mon cher. J'aimerais que la reine lui permette de venir me voir, même si ce n'est qu'une fois. Maman, tu t'inquiètes beaucoup trop. Elle me manque vraiment, mais avec toi, je ne pense pas qu'elle me manque. Non. Tu me gâtes vraiment. Maman, c'est pour une très bonne raison. Si elle, au palais, c'est pour une bonne raison. Avant que tu ne t'en rendes compte, quelque chose arrivera et elle reviendra à la maison pour t'annoncer une bonne nouvelle. Hein, donc. Cette bonne nouvelle, j'ai Bien sûr que ça arrivera, maman. Ça arrivera.
Mon fils, merci. Maman, tu sais très bien que ma mère est déjà à la maison. Alors je vais vite rentrer chez moi pour faire quelque chose à la maison, hein. Et ne t'inquiète pas, avant que tu ne fermes, je serai déjà de retour pour t'aider, hein. Je vais filer. Ne t'inquiète pas, je vais mettre de la nourriture de côté pour toi. La nourriture? Maman, quelle nourriture vas-tu préparer? Une nourriture? Je ferai des légumes. Maman, je reviens très vite. Merci. Mon Dieu, quel enfant. Odigo, Odigo, ne t'inquiète pas. Je t'ai demandé de ne pas t'inquiéter. C'est mon royaume. Rien de tel ne peut t'arriver. Tant que je suis roi. Oui. Je te le redis, j'ai les choses à main. Oui. C'est d'accord. Ok. Je te rappelle. Au revoir. Lolo. Pourquoi as-tu cette mine? Quel est le problème? C'est le prince, mon souci. Qui a-t-il avec le prince? Nonso a refusé de donner une chance à la princesse Izioma. Et le comble dans tout ça est qu'il m'a demandé de la renvoyer. Quoi? Oui, il l'a fait. Vraiment? Eh bien, dans ce cas, je suggère que tu dises à la pauvre de partir. Oui, nous sommes sur ce sujet depuis une semaine et il n'y a pas d'amélioration. Alors, laisse-la partir. C'est exactement ce que je vais faire. Mais je ne suis pas du tout contente. Je comprends ce que tu ressens. Mais, s'il te plaît, explique juste la situation à la fille. Je gère la situation pour nous. Tu sais, notre fils aime faire les choses à sa manière. Alors, laissons-le. Tout ira bien. Les dieux veillent. D'accord. Ça va aller. Ça va aller. D'accord? mon amour, hein? Tout ira bien, ne t'inquiète pas. J'attends la visite d'Edigo. Il sera là. Okay. D'un moment à un autre. D'accord. Ok. Ma chère. Oui, mon roi. Alors, comme tu es sur le point de partir, je te souhaite un bon retour chez toi. J'ai prié les dieux d'exorcer les désirs de ton cœur. Qu'ils te donnent un bon mari. Un homme qui t'aimera et te chérira. Un homme qui t'acceptera tel que tu es. Je te souhaite des jours meilleurs. Tout ira bien pour toi. Voyage bien. Merci, mon roi. Merci. Passe mes salutations à ton père. Je le ferai. Et ta mère, la reine. Mon fils. Ma fille. J'espère que tu comprends. Reine mère, ça va aller, je comprends parfaitement. Écoute, le prince est un homme instruit dans le monde et il a voyagé. Tu ne t'attendais pas à ce qu'il soit d'accord avec ce genre d'arrangement. Et tu sais que je suis ici par respect pour ma mère. Elle a dit que je devais être là, alors je comprends. Merci pour ta compréhension. De rien, reine mère. Et cet endroit va tellement me manquer. Le plaisir que j'ai eu, les servantes, tout. Je me sens si triste, mais je dois retourner chez mes gens parce qu'ils me manquent aussi. Je suis sûre que tu nous manqueras.
passe mes salutations à ta mère. Je le ferai. Dis-lui que je la verrai bientôt. Je le ferai. S'il te plaît, je viendrai de temps en temps. Et passe un bonjour au prince Nonso. Nous restons en contact. Nous sommes maintenant des amis. Bien sûr, je lui dirai. Ok, prends soin de toi. Toi de même. Au revoir au roi. Bye. Une fille tellement cool et compréhensive. Pourquoi Nonso ne voit-il pas ça? L'on dit, on peut amener le cheval à une rivière, mais on ne peut la forcer à boire. Elle va tellement me manquer. Lola, est-elle partie? Oui, c'est bon. J'aime vraiment cette jeune fille. Elle n'est pas impolie comme la plupart des autres princesses que je connais. J'aurais aimé que notre fils puisse voir son bon côté. Je l'aime aussi. Notre fils n'a pas pu lui donner une chance ou nous écouter. De toute façon, je ne lui en veux pas. Peut-être son cœur n'a pas battu pour elle. Parfois, nous devons donner à notre cœur la direction que nous voulons. Le cœur n'ira pas toujours vers ce qu'on veut. Tu sais ce qui est triste? Il ne s'est même pas dérangé pour lui dire au revoir. De toutes les façons, je pense que la jeune fille a compris. Donc, donnons une pause à notre fils. Je l'ai déjà fait. C'est bien. Espérons que... qu'il ait son coup de cœur à la fin de tout ceci. Il sait, et je prie également que la princesse trouve un homme qui l'aimera. Tout à fait. Qui la chérira et qui l'acceptera. Tout à fait. Mais notre fils d'abord. Aucun problème. Oh, I feel good. Ta-ra-ra-ra-ra-ra. I knew that I would. Ta-ra-ra-ra-ra-ra. So good. Dun-dun, so good. I got to you. Dun-dun-dun-dun. Oh. Que se passe-t-il? As-tu gagné à la loterie? Oh mon Dieu, c'est plus que de la loterie. Je veux dire, elle est partie et ne reviendra plus. Je sais, mais c'est pour ça que tu es si heureuse. Ma chérie, je me dois d'être heureuse. Au moins, j'ai mes chances d'être sa majesté royale, le prince, comme étant mon mari. Oh mon Dieu, ce sera super génial. Donc tu es ici, à gaspiller tous tes pas de danse que tu aurais pu préserver pour être utilisé à mon mariage traditionnel? Arrête de rêver, ma puce! Dans tous les cas, je ne peux pas te laisser gâcher ma bonne humeur. I feel good! Ta-ra-ra. Je te conseille de réserver cette danse. Je te le dis, réserve-la. I feel good! So good! Dun-dun, so good! Chérie, as-tu parlé au prince depuis le départ de la princesse Ozioma? Non, mon roi. Nous n'avons discuté de rien à ce sujet. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi toutes ces choses sont en suspens? Mon amour, puisqu'il nous a donné sa parole, accordons-lui le bénéfice du doute. Et laissons-le faire les choses à sa manière. Je sais et je crois que quand ce jour viendra, il nous présentera une femme que nous aimerions tous. Je le connais. Tu le penses? Je le sais. C'est d'accord. C'est bien. Mais s'il échoue... Il n'échoue. Mais s'il échoue, je vais personnellement lui couver une femme. Oui, il est de mon devoir de faire ça. Ce n'est pas vrai. Chérie, il n'échouera pas. Je suis juste compréhensif. Tu sais, je considère juste le fait que, ok, il vient de rentrer des États-Unis. Et toutes ces autres choses-là. Mais sinon, selon nos coutumes, je devrais pouvoir lui choisir une femme. Alors qu'il n'échoue pas. Sinon, mais je vais l'aimer. Il n'échouera pas. Bien sûr. On est très bien.
Bien sûr, prions. Il nous a toujours rendus fiers. Et je sais que cette fois-ci, il le fera également. C'est d'accord, à ces palais du prince. Tu ne m'as pas vue dans tes rêves. De toute façon, je vais rendre visite à ma mère. Elle m'a demandé de venir. J'espère que Chinaza sait que tu n'es pas là, pour qu'elle sache quoi faire. Oui, je lui ai dit. Ok. Salue-la de ma part, d'accord? Que dois-je lui dire? Qu'elle envoie de la bouffe? Dis-lui qu'une grosse femme de la sécurité, qu'une grosse femme la salue. Mais quand tu reviens, qu'elle te donne assez de bouffe. Et cette sauce que j'aime. Toujours à parler de nourriture, c'est la seule chose à quoi tu penses. Tu aimes trop le gros français, c'est ça. Viens fermer le portier. Madame, ferme de l'extérieur. Tu es sûre que tu vas voir ta maman étant belle comme ça? Viens que je te regarde bien. Passe ta main de l'extérieur pour l'intérieur, ou bien fermer. D'accord, chef. Tu n'as pas la taille. Ça ne se ferme pas. Essaie encore. Ça ne se ferme pas. Essaie encore. Oga arrive, regarde. Pars, tu peux partir. Tu n'as pas la taille. Essaye de manger le haricot pour avoir la taille. Je me repose, je vais les fermer plus tard. Oh, Votre Majesté. D'où est-ce que tu viens? De la chambre du prince. Et pourquoi? Je suis allée prendre ses commandes, Votre Altesse. Alors, Onyeshi n'est pas encore entré? Oui, Votre Majesté. Ok. Fais donc le déjeuner rapidement et puis tu fais également la table. D'accord, Votre Altesse. Qu'es-tu en train de faire? Ne vois-tu pas que je baigne le prince? Non, tu laves Shinonie. Que fais-tu? D'où viens-tu? Je suis allée dans la chambre du prince. Je suis allée prendre ses commandes. Je pensais qu'Onyeshi était censé le faire. Ok, elle n'est pas là. Le prince devait mourir de faim, n'est-ce pas? Calme-toi. J'espère juste que sa mère va bien. Ça fait 2 jours qu'elle n'est pas de retour. Quand elle reviendra, on le saura. Au moins, nous devons sympathiser avec elle. Sœur Marie, je ne suis pas ici pour sympathiser avec qui que ce soit. Je ne dois aucune sympathie à personne. Pas du tout. Donc, s'il te plaît, si tu veux être amie avec elle, va lui rendre visite. S'il te plaît, dépêche-toi. Je veux préparer dans ma cuisine. Je ne veux pas de bêtises. Fouteuse de paix. Quelle est cette nourriture que vous préparez? Ce sont des cailloux. Et même si c'était des cailloux, ça aurait fondu. Eh bien. Hein? Je vais vous chasser un à un de chez mon mari. D'un coup. Quoi de neuf? Ton amie n'est-elle pas déjà rentrée? Pas encore. Je me disais qu'elle était déjà là. Mais elle n'est pas encore là. Et Chinaza est celle qui fait maintenant son travail, y compris servir le prince. Quoi? Que fait-elle? Attends une minute. Je ne comprends pas. Qui l'a choisie? Pourquoi tu es fâchée? Non, ce n'est pas comme si je suis fâchée, mais... Allez, Onyeshi n'est pas là, donc... Tout le monde peut servir le prince. Tu peux le servir, tu peux le... Je peux aussi le servir. Pourquoi tu me comptes? Mon service te concerne.
C'est toi seule qui veux servir le prince, ça se voit dans tes yeux. Je veux dire, tout le monde peut le servir. Je ne sais pas pourquoi cette fille aime tourner autour du prince. Je ne sais pas pourquoi. Ah, cette fille. Pas de problème, elle l'a fait. Pas de problème. Tu veux servir le prince, n'est-ce pas? Toi aussi, tu veux le servir. Chinaza aussi veut servir le prince. Il n'y a pas de problème. Il y a un autre service. Servez-moi à manger. Vas-tu quitter d'ici? Qui va te servir? Ah, Osigny, tu es formidable. Chinaza, cette fille se croit maligne. Je dois la dévancer. C'est la nourriture qui m'amène ici. Servez-moi. Je ne comprends pas. Où vas-tu avec ce plateau? Oh, quelle question. Donc tu penses être la seule à avoir le droit de servir le prince? Ce plateau n'ira nulle part. Chinaza. Parce que si tu le fais, je te chie. Tu verras. Je dis que tu ne... Chinaza. Ne me cherche pas. Chinaza. Ce plateau n'ira nulle part. Je vais te gifler. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Écoute, tu fais tomber de la salive dans ce jus. D'où est-ce que ce bruit vient-il? Ce bruit vient de ma cuisine. Katie, je viens là-bas. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Regarde, tu fais tomber la salive dans ce jus. Et puis quoi? Fais attention. Viens sortir. Fais attention, je te préviens. Fais attention. Je vais te préviens, sinon je vais te donner. Diable, se passe-t-il ici? Ne vous souciez pas de cette folle. Je suis désolée, votre ami. Ma reine, avez-vous entendu? Vas-tu te taire? Elle traite la servante directe de la reine de folle. Vas-tu te taire? Ok. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Je... Ça veut dire que je ne peux pas avoir la paix chez moi? Votre Altesse, elle est la cause de tout ceci. Mais je suis désolée, votre Altesse. Cela ne se reproduira plus jamais. Je vous le promets. Je suis vraiment désolée, votre Altesse. Je vous promets que cela n'arrivera plus jamais. Bien sûr que ça n'arrivera plus jamais, comme tu l'as dit. Parce que je vais parler à Onomu à ce sujet. Votre Altesse royale, la reine de notre contrée, je vous en supplie. Tu vois ce que tu as causé. Tu vois. Votre Altesse, s'il vous plaît. Je vous en prie, je ne le ferai plus. Je vous en prie, votre Altesse. Je vous en prie. La reine, s'il vous plaît. Votre Altesse. Qu'est-ce qui s'est passé? Chinaza, peux-tu croire que cette fille est venue jusqu'à la cuisine pour discuter le plateau avec moi? Un plateau que j'ai fait pour le prince. Et toi là, toujours à se disputer de qui va servir le prince. Hein? Tu vois comme elle recommence? Toi, Katie, quand j'en aurai terminé avec toi dans ce palais, tu feras tes valises et partiras. Hey! Moi? C'est à moi que tu parles? Vas-tu te taire? Pourquoi tu disputais le plateau? Hey! Je ne me disputais pas avec elle. Elle le faisait. Elle le disputait. Et toi? N'essaie même pas. Tu ferais mieux de ne pas t'en mêler. Ne te mêle pas. Tu me connais? N'importe quoi. Des conneries. Moi, connerie? Je vais te dégonfler. Je suis une connerie? N'importe quoi. T'es une petite fille. Si je monte sur toi, tu deviendras rouge. Je te jure, au nom de Dieu, que tu deviendras rouge, Chinaza. Ok. Écoute. Quelle couleur? Ça suffit. Le rouge de ta jupe, quelle couleur? Tu n'es qu'une folle. Alors on parle de quelque chose de sérieux, toi tu te soucies de la jupe. Tu veux aussi monter sur moi? Ou tu veux que ce soit le contraire? Puissant cervelle. Pourquoi vous excitez même? Ok. J'arrive au...
fils, je suis fatiguée de ces filles. C'est toujours la bagarre. Elles vont d'un problème à un autre. Eh bien, je suis désolée, mère. Quoi faire d'elle. Je pensais que maintenant tu devais être habituée à elle. Ah, ça me rappelle. Ça fait un moment que je n'ai pas vu Onyeti, tu vois. As-tu une idée d'où elle peut être? Elle n'est pas encore de retour. Sûrement, sa mère est toujours malade. Oh. Alors, je devrais aller lui rendre visite pour savoir comment elle va et comment va sa mère aussi. Ce sera très gentil de ta part. Nous avons besoin qu'elle rentre afin que les autres cessent de se battre pour qui te servira, qui s'occupera de toi et tout. Je pense qu'on a besoin d'elle. Très bien, j'aurai besoin d'eux. Je le ferai. J'irai là-bas pour voir comment elle va. Au fait, as-tu son adresse ou un numéro de téléphone? Non, je ne l'ai pas, mais je pense que l'une des servantes pourrait avoir son adresse. Ok, d'accord. Je vais chercher. Salut Onyeti, comment tu vas? Je ne t'ai pas vu depuis un moment. Pourquoi? Où es-tu? Ça va aller, ok? C'est pour ça que j'ai appelé, pour savoir comment tu vas. Désolé pour l'état de ta mère. Alors, comment elle va maintenant? Oh, demain? Tu sais quoi? Tu n'as pas besoin de te déranger. Je viendrai te chercher. Ok? Ainsi au moins je pourrai voir ta mère. Passe une bonne journée et passe le bonsoir à ta mère de ma part. Shinoe? Shinoe! Mon prince! Ah! Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? Oubliez cette grosse folle parseuse. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, je peux le faire. Oh, très bonne chose alors. J'étais sur le point d'aller demander à la dame au portail si elle savait où vit Onyeti, tu vois. Onyeshi? Mon oui. Prince, pourquoi voulez-vous savoir? Je suis désolée, mon prince. Oui, je sais où elle vit. Je peux vous emmener? Oh! Je peux vous emmener là-bas. Cela ne sera pas nécessaire. Donne-moi juste la description de la maison ou l'adresse. Je m'en sortirai. Ok. Elle réside à 3 maisons de celle de Nohu. C'est mon père. C'est là que je vis. Merci beaucoup pour ça. Mon prince, êtes-vous sûr que vous ne voulez pas que je vienne avec vous? Oh non. Je vais m'en sortir. Je t'en dois une. Vous êtes si beau, mon prince. Merci. Qu'est-ce que c'est? Rien. Qu'est-ce que tu as? Je vais bien. Rien et tu es là à parler toute seule? Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai dit que je vais bien. Qu'est-ce qu'il y a? Ah! On aura tout vu dans ce palais, hein? Prince Chukunonzo. Vraiment? Qui est ce prince? Le prince de notre royaume. Es-tu sérieuse? Il t'a appelé? Maman, devine quoi? Et qu'est-ce qu'il a dit?
Il a dit qu'il viendra ici demain matin me chercher. Et ici? Oui. Il a dit qu'il avait quelque chose pour toi et qu'il voudrait aussi te voir. Es-tu sérieuse? Moi? Maman, imagine le prince venir ici, dans cette maison. Je dis merci à Dieu. Mais on y est. Maman? Je pense que le prince est amoureux de toi. Maman, oublie ça. Le prince est si gentil. Il aime tout le monde. Il nous traite tous de la même manière. Tout de même, je le remercie, au moins pour la compréhension. J'espère qu'il ne s'égarera pas en voulant venir ici. La route est mauvaise. Il y a des nids de poules, de l'eau. Il viendra. Tu sais qu'il va pleuvoir. Et tu lui indiqueras le chemin. Maman, j'ai juste pitié pour lui. Ne t'inquiète pas. Ah. Désolée, maman. Je suis heureuse que tu ailles mieux maintenant. Je remercie Dieu. Au moins, quand j'irai au palais, je ne m'inquiéterai pas trop. Même si tu n'es pas là, mon fils, d'une autre mère, sera toujours là pour m'aider. Dieu le bénira. Ce garçon m'est vraiment d'une grande aide. Mon prince, sois la bienvenue. Bienvenue. Merci. Bienvenue. Mon prince, bienvenue. Merci. Relax. Que le tonnerre te frappe. Calme-toi. Si j'attrape ta jupe, je vais refaire la couture de ça. Ah! Cette voiture, c'est la classe. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est la classe. La classe. Peux-tu croire que le prince a personnellement ramené cette sorcière? De quelle sorcière s'agit-il? Onieti, tu ne sais pas qu'elle est de retour? Je sais qu'elle est rentrée, mais... Je ne savais pas que le prince allait la chercher. Elle lui-même. Lui-même. Quelque chose me dit que le prince va choisir cette fille. Comment ça? Celle-là qui tourne tout le temps autour du prince. Elle veut imposer sa présence au prince. Ce ne sera pas possible. Jamais. Écoute, je connais cette fille. Elle est connue pour être prétentieuse. Tout ce qui tourne autour d'elle est prétentieux. On s'en fiche. De toutes les façons, je suis heureuse qu'elle soit rentrée. Au moins, j'aurai un peu de place pour moi. Je fais pratiquement son travail et le mien. Toute seule. Alors, qu'elle revienne faire son boulot. Chacune d'entre vous, allez gérer ça. Qu'est-ce qui ne va pas souvent chez toi? Tu fais tes grimaces hein, et tu t'en vas. Mais une minute. C'est vrai. Non, je vais demander à Onyeshi elle-même. Je vais lui demander en personne. Ok. Oui, pas de problème. C'est bon, c'est bien. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Bye. Désolée. Comment vas-tu? Je vais bien. Et quand es-tu revenue? Ma reine, je viens juste de rentrer. As-tu vu le prince? Parce qu'il m'a dit vouloir venir chez toi un peu plus tôt. C'est vrai. En fait, le prince m'a ramené ici. Oh, c'est génial. Merci. Alors, comment va ta mère? Elle va mieux maintenant. Ma reine,
S'il vous plaît, je voudrais que vous rejoigniez à moi pour dire un grand merci au prince. Il a ramené plein de bonnes choses à ma mère. Ce n'est pas... aucun problème, je vais le remercier. Merci, ma reine. Je t'en prie. Puis-je m'en aller maintenant? Vas-y. Merci. Nouveau ambiance, c'est qui se passe? Bébé, ton corps me rend vraiment folle. Ma mère a demandé que je te dise merci d'avoir pris de ses nouvelles. Elle va bien maintenant et je tiens à te dire un grand merci pour ton inquiétude envers ma mère malade, ok? Ma chère, comment va-t-elle? Elle va bien, n'est-ce pas? Elle va bien maintenant. Hey! Quand tu es partie, j'étais vraiment, vraiment inquiète. J'étais inquiète, oh, tellement que je ne pouvais pas manger pour 2 minutes. Je ne pouvais pas manger. Tout est question de nourriture, je sais. Ça va, ma sœur. Merci de t'inquiéter. Merci, hein? Aïe, aïe. Tu n'as pas... Tu as évolué maintenant. Tu as vraiment changé de niveau. Comment? Au point où c'est le prince qui te ramène. Il semble que le prince s'intéresse à toi. Et toi aussi. Eh, écoute, il n'y a pas de problème. Tu sais que tu es mon ami. Si le prince te choisit maintenant, hein, je serai à tes côtés et ta grâce me contaminera. Je viendrai le jour de ton mariage avec ma sexy robe, ma belle coiffure. Ça suffit, Tinoye. Tous les yeux seront braqués sur moi. Ce sera formidable. Le prince est juste gentil. C'est tout. Et si le prince te demande, si tu veux l'épouser, que vas-tu lui dire? C'est juste une question. Ça suffit. Non, ça ne m'a pas encore traversé l'esprit. Mais quand ce moment viendra, je saurai quoi dire. Ton repas est presque prêt. Attends, mon ami. Si le prince ne traverse pas ton esprit, qu'est-ce qui peut traverser ton esprit? Ça ne traverse pas ton esprit. Juste que si ça ne traverse pas, ça ne traverse pas. Okay. Pour le moment, ça n'a pas encore traversé et ça ne traversera pas. Que ça traverse, oh. Que ça traverse. On en reparle après. Je t'apporte ta nourriture. Hey! Ou mieux, viens chercher. Viens! Le prince va te chercher. Lève-toi, viens. Hi! Je souhaite que ma mère soit malade. Je vais aimer. Hi! Ta mère est malade et le prince va te chercher. Maman, maman! Sont si malades, non? Aïe. Oh, Zilo. These girls are silly. They are running up to me. Malolo, le moment est enfin arrivé. Il y a à peine 2 jours. Et je suis heureuse. J'ai vraiment hâte. Mais as-tu demandé à notre fils s'il est déjà prêt? Bien sûr que je lui ai demandé. Et il m'a répondu avec assurance que, bien sûr, qu'il est prêt. C'est bien de l'entendre. Ça veut dire qu'il a choisi une femme. J'ai hâte de savoir qui il a choisi. Pareil pour moi. Pareil pour moi. Lolo, s'il te plaît, prends toutes les dispositions nécessaires pour le divertissement. Que rien ne manque à ce grand événement. J'ai déjà parlé à Olo concernant ce qu'il fera. Igwe, fais-moi confiance pour ça. Je te promets que tout sera parfaitement bien. Merci. Merci, ma reine. Maman. Dieu va sûrement te bénir. Amen, maman. Écoute, la façon que tu m'aides, que ce soit de l'eau, le marché, tout ce dont j'ai besoin, tu es toujours là. Maman. Je ne t'oublierai jamais dans mon paradis. Aucun problème, maman. Maman, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Tu as besoin d'aide. Après tout, Nyeshi, ta fille est encore au palais, donc tu as besoin d'aide ici. Maman, tu n'en croirais pas. Tu sais où est-ce que j'ai eu ces hougous? Tu connais maman Keshi. Je ne les ai pas eus chez elle. Es-tu sérieux? Pour elle, c'était fini. J'ai dû aller à l'intérieur, dans ces endroits où ils coupent la viande. C'est là-bas que je les ai eus. J'ai dû aller à l'intérieur. Alors dis-moi pourquoi Dieu ne te bénirait pas. Amen, maman. Amen. Dieu te bénirait. Amen, maman. Amen. Maman, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu que le prince, il va choisir une femme demain. J'ai entendu la même chose, ma fille me l'a dit. Je ne sais pas si c'est vrai, mais tout de même,
nous observons et attendons. Maman, maman, quand je regarde les choses, hein, Onyeshi sera la chanceuse. Hey! Onyeshi. Dieu, écoute-nous. Amen. Tineke, écoute-nous. Ah, ah. Maman, si jamais Onyeshi est choisi, je ne m'appellerai plus Shinedo Amaji, non. Je m'appellerai désormais Shinedo Okoli. Ferme ta. En tant que ton fils. Tu exagères un peu. Tu aimes trop. Je n'aime non. pas la façon dont non, tu... Non, maman, c'est de la pure, c'est de la pure si vérité. Si tu te vantes trop, uh-huh. je ne vais pas, je ne vais oh, pas le supporter. Non. Ah, maman, je suis déjà ton fils. Tant qu'il n'y a pas, bien sûr, d'autres enfants au mal. Tu sais, si jamais Oni Eti uh-huh. est choisi, oui. tu vois cette boutique, uh-huh. on l'oublie. Ah. En fait, je pourrais te la cadoter. Non, maman, je veux être au palais. Non, je ne veux pas rester ici. Où que je sois, c'est là que tu seras. Oh, maman, Dieu t'entende. Que Dieu tout-puissant t'entende. Au moins, je serai au palais et désormais, je m'appellerai prince. Hein? Enlève le prince. Non, ne maman. Ne mets pas le prince. Maman, si Onyeshi devient une princesse, automatiquement que je suis un prince. Ah, vraiment. Hein? Le supposé est revendicateur pour être le frère d'Onyeti. Je suis déjà, j'ai déjà retiré. Je ne m'appelle plus Shinedo, elle m'a dit. Maintenant, c'est Shinedo au collet. Tu vas me tuer, s'il te plaît, arrête. Je pense que vous toutes savez que demain est le jour où le prince nous présentera sa femme. Oui, votre Altesse. Et je veux que vous mettiez tout en ordre. J'ose croire que vous savez quoi faire. Oui, votre Majesté. Encore une chose. Vous êtes tout autorisé à vous mettre sur votre 31. Mettez votre uniforme de côté tant que vous êtes belle et décente. Votre Altesse, merci. Merci, Votre Altesse. Je t'en prie. Onyeshi. Ma reine. Shinaza. Oui, Votre Majesté. Je me verrai plus tard pour qu'on discute à propos de la nourriture et de la boisson pour l'événement. Merci, Votre Altesse. Tu n'es pas concernée. Tu es la servante personnelle. Moi et Onyeshi. C'est tout pour le moment. Vous pouvez disposer. Oui, Votre Majesté. Hey. Elle dit qu'on peut disposer. Écoutez, je pense que Shinaza et Onyeshi ont plus de chance que nous. Hein? Hmm? Comment? Ne vois-tu pas comment vont les choses? Ha! Moi également, j'ai plus de chance. Sinon... Pourquoi le prince m'aurait défendu devant son père ce jour où il voulait me bannir? Écoute-toi. Écoute, quand on parle, tu ferais mieux de la fermer. Tu es automatiquement disqualifiée. Je ne sais pas pourquoi tu parles. Tu es folle. Ça ne va pas dans ta tête. Hein? Je vais couper ta respiration. Oh, s'il vous plaît, pas je maintenant. Je vais couper ta respiration. Pas maintenant, s'il vous plaît. À quel moment? Écoutez, si vous voulez vous battre, faites attention, d'accord? Ne cassez pas mes verres. C'est le moment pour vous de vous concentrer, réfléchir sur vos vies. Je me suis repentie. Personne ne doit jeter son fardeau sur le mien. Je me suis repentie. Je te l'ai dit, même la reine n'acceptera pas que tu épouses son fils. L'aveugle n'acceptera pas que tu l'épouses. C'est un mensonge. Elle ne s'appelle même pas Hakuna, mais Hakuna Hakuna. Quoi? Hakuna, s'il te plaît, ça va. Ne peux-tu pas rester tranquille? Hakuna, comment vont-ils te choisir avec ce genre de comportement? Comment vont-ils? Toute petite chose te dispute. N'es-tu pas fatiguée? Donc tu dis que on ne peut pas me choisir. Oh Dieu, ce n'est pas possible. Pourquoi c'est fermé? Tinoye? Ma chère amie, mon amie de tous les temps, mon amie. Quoi? J'ai besoin d'un service. J'aimerais que tu m'achètes un bandeau, que tu m'achètes du concombre, tu m'achètes du rouge à lèvres, le rouge à lèvres rose. Le violet, le phare, ce qu'on utilise pour pomponner partout. Tout ça pour se rendre belle? Ce jour. J'espère que vous ne serez pas déçus. Attends, le mascara. pour masquer tes yeux? Ce que vous utilisez pour
As-tu déjà vu ça sur mon visage ou tu le vois maintenant? J'en ai besoin. Tu aurais dû dire à Tinaza de te l'acheter, pas moi. Mais j'espère que vous ne serez pas déçus demain. Ne sois pas ainsi, parce que tu sais que c'est toi qui es proche du prince, c'est toi qui le sers. Si tu te courbes maintenant, le prince fera les choses et il est... Je ne suis pas comme ça. Oui. Je suis comme ça. Je peux le faire. S'il te plaît, ouvre le portail. Je ne sais pas ce qu'on appelle Bondo, mais plutôt Bandana. Qu'en est-il de celui qu'on porte ici, celui qui tire? Ok, le lâche-ventre. Que lorsque tu utilises, ça serre. Tu laisses, ça relâche. C'est serre-ventre, pas lâche-ventre. Eh. Si ça ne te sert pas, tes formes vont relâcher. Achète également ça pour moi. Et le avec quel argent dois-je acheter tout ça? Utilise d'abord ton argent, nous ferons des comptes. Écoute, si j'ai toutes ces choses et que le prince me choisit, je vais très bien te payer. Tu ne réfléchis pas. Le prince va te choisir. Ok, ma reine, ma très chère reine, votre altesse royale. Tu vivras okay, longtemps. Ok, tu n'as pas besoin de me payer, je viens. Tu vivras longtemps. Ce sera génial, j'imposerai les mains ici. Trop bien. La copine d'une reine est une petite reine. La copine d'une reine est une petite reine. Et demain, je vais pomponner mon visage. Vous saurez que j'ai du style. Ceci vous trompe. Attendez que j'enlève ça. J'ai du style. Bon après-midi à tous. Mon prince. Bon après-midi, mère. Est-ce que... Père. Oui. Onu. Mon prince. Mon époux bienvenu. Majesté, ceci est un grand jour. Et je suis sûr que tous ici nous sommes contents. Mon prince. Vous pouvez maintenant commencer. Choisissez votre femme. Oh, merci beaucoup, Onu. Je vous en prie. Comme tu viens de le dire, aujourd'hui... Est ce fameux jour que nous attendions tous depuis longtemps. C'est vrai. Le fameux jour où je présenterai ma femme à mon père pour sa bénédiction. J'ai hâte. J'ai hâte. J'ai attendu très longtemps pour ça. Vas-y, fils. Vas-y. Je sais que vous avez hâte que... J'espère que ce sera moi. Je dévoile qui c'est. Alors, je vais aller droit au but pour ne pas perdre de temps. D'accord. Ok, correct. Permettez-moi de procéder à cela. Tu as ma permission. Merci beaucoup, mère. Vas-y. Shinoe. La drôle de la maison. Ah. Mon prince, Tinaza. Tinaza. Papa. La rusée. Oui. Toi. Ketty, la servante personnelle de la reine. Oh oui. Mère, elle est toujours souriante. Ah oui. Merci. Et elle. Celle qui est calme. Merci. Je me demande souvent pourquoi tu es si calme. Mais tout de même, c'est bien. Merci. J'aime ça. Onyeti. La plus calme de toutes, père. Bienvenue. Ah, bienvenue. Père. Fils. Mère. Fils. Je vous présente Adoré, la fille de Mazé Yokonda, le général retraité. Je ne comprends pas. Nous nous sommes rencontrés aux USA. Et j'étais super excité d'avoir rencontré quelqu'un, pas seulement de cette partie du monde, mais aussi
de mon village. Adoré, bienvenue. Et c'est ainsi que nous avons créé notre relation. Ah, une relation, hein? Adoré. Mon prince. Eh oh. Je te présente mon père et ma mère. Votre Majesté. Ma fille, tu es vraiment magnifique. Merci, mon Tu es tout simplement magnifique. Tu es la bienvenue, ma fille. S'il te plaît, lève-toi. Tu es belle. Merci. Mon fils. Père. Tu m'as vraiment rendu fier. Tu nous as rendu fier. Hein? Tu es le fils de ton père. Sois Merci, la bienvenue. Père. Je suis fier de toi, fils. Merci, mère. Laisse-moi te demander. L'as-tu toujours eu en tête? As-tu fait un retour en arrière? Hein? Ou as-tu juste pris cette décision? Et à jouer avec nous pendant tout ce temps. Merci, merci, mon roi. On veut Sois honnête. Silence. Eh bien, père, je... J'étais certain de mon choix, mais... tu as insisté. Je suis choquée. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est vraiment formidable. Viens par là, viens par là. Viens par là. Ma fille. Mon roi. Tu es la bienvenue dans ma noble famille. Merci, mon roi. Malolo et moi te recevons. Exact. Et t'acceptons dans cette famille. Oui. D'ici, nous irons dans la maison de ton père. Mmh. Et nous remplirons les obligations traditionnelles. Effectivement. Et tu deviendras notre belle fille. Exactement. Que les dieux soient avec vous. Ici. Vous pouvez vous lever. Ah. Mon prince, je suis heureux. Vous m'en rendez fier. Majesté. Je suis heureux. Majesté. Je suis Majesté. Heureux. Majesté. Oh, le plus beau jour de ma vie. Papa. Vous avez trouvé votre âme sœur. Oh oui. Et je suis l'homme du jour. Oh oui, tu nous as rendus fiers. Tu peux t'asseoir avec ta femme. Tu peux t'asseoir, mon fils. Vous pouvez vous asseoir. Mon prince, vous nous avez vraiment rendus fiers. Merci beaucoup, Ono. Majesté. Oui. Je suis intéressé par l'une de vos servantes. Ah. Oh, je savais. Oh, c'est Votre moi. Votre Majesté. Mon Dieu, j'étais sûre. J'étais sûre qu'on vous choisirait. Prince Kalachi, merci pour cet honneur. Mais peux-tu nous dire laquelle d'entre elles tu veux? En parlant d'elle, c'est la plus calme de toutes les autres filles. Mais j'ai déjà trouvé une femme. J'attends juste le moment opportun pour la présenter à la famille. Wow, c'est bien, mais Nonso, tu sais, je commence déjà à être attiré par cette fille. Tu vois, c'est une fille très serviable, posée, et en plus, tu es fière de la cuisine. Hey, c'est quoi tout ceci? Quand est-ce que cet amour a commencé? Non, écoute. Quand un homme voit une femme, pour la première fois, il peut directement en déduire ce qu'il recherche en elle. Arrête, s'il te plaît. Mec, je ne t'ai pas connu ainsi. Dis-moi, quand es-tu tombé amoureuse de cette fille? Qu'est-ce que c'est? Nonso, le problème que j'ai et que je suis inquiet à ce propos. Je ne sais pas si c'est permis à un prince d'épouser une servante. Je ne comprends pas. Que veux-tu dire? Que veux-tu dire? Mec, écoute, tu sais que nos traditions parfois peuvent être compliquées. C'est pour ça que je suis confus. Ça va aller. J'ai saisi ce que tu veux dire. Ne t'inquiète pas. Je vais essayer de t'aider en demandant à mon père. Merci. Grand merci, mon ami. Alors, je lève mon verre aux nouveaux amoureux. Et moi pour celle qui a su captiver mon cœur. Fils, y a-t-il une raison pour ta question? Oh, allez, mère. Je t'en prie, ne pense pas ainsi. Ah! Je demande juste, pas de quoi s'inquiéter.
Es-tu sûr? Bien sûr, mère. Je suis très sûr. Hey, salut mec. Hey, comment tu vas? Oh, devine quoi, je me suis rassuré auprès de son Altesse hier. Et elle a dit que ça pourrait être possible. Tu peux te lancer et faire ton choix. Je t'ai promis que je le ferai. Eh ouais. Alors tu peux te lancer. Fais ce que tu veux. Mais s'il te plaît, sois gentil. Ok, alors je te verrai plus tard. Oh. Onyeyeshi est celle que je choisis. Onyeyeshi, viens. Lève-toi. Oh. Lève-toi, idiote. Viens, ma chère. Oh, oh, elle est tellement digne. Onyeyeshi. Hey. Tu l'as entendu? Qu'est-ce que tu as dit avant de ton consentement? Non! Non! Tu ne le connais pas très bien. Non! Oui, Majesté. Oh! Oh. Ceci mérite une double célébration. Et elle en est digne. Oh oui, elle en est digne. Tais-toi. Tu amènes vous pouvez vous avancer. Hé, rejoins ton portail! Va à la silence, porte. Tout le monde! Votre Majesté, je suis désolée. Je dis, silence! Tu en es digne. Vous connaîtrez le bonheur. Il sait. Aucun mal ne vous arrivera. Il sait. Aucun obstacle ne croisera votre chemin. Il sait. Vous vivriez heureux. Et vous auriez beaucoup d'enfants. Il sait. Et vous connaîtrez la joie et le bonheur dans votre vie. Il sait. Prince, Majesté, tu peux repartir dans ton royaume et revenir avec tes gens pour remplir les exigences traditionnelles. Je vous remercie. Pour qu'elle devienne ta femme. Merci, Votre Majesté. Vous pouvez vous lever. Le prince, ma reine, merci. Ma reine, vas-tu te taire? Va à la porte. Je mérite quelque chose, ma reine. Hé, hey, Kelechi. Hé, hey, mon frère. Allez mettre vos uniformes. Ok. Je suis votre servante personnelle. Ma reine, vous savez que ce n'est pas juste. Pourtant, je vous appelle tous les jours, belle-mère. Il n'y a aucun problème. Dans cet état du gaspillage, je vous appelle belle-mère. Tous les efforts que j'ai fournis pour rien. Le Seigneur te donnera un mari. Ça lui coûtera quoi de me le donner maintenant? Tous les efforts que j'ai fournis, je ne rentre pas avec un homme. Chinonie. Ma reine. Assure-toi que le portail est fermé. Pas de problème. Demande-lui d'aller fermer le portail, ta belle-fille. Demande-lui d'aller fermer le portail qu'elle vous donne les clés. Aucun problème. Si je peux ouvrir le portail, elle peut le fermer. Va fermer le portail. Aucun problème. Aucun problème. J'aurai le prince dans mes rêves. J'ai de l'espoir. Aucun problème. Aucun problème. Mon prince, je ne lâche pas. Je ne lâche pas. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Thank you.
My sister, if you don't tumble your goose to make you the sample of a low one, my sister, so everybody won't become the princely wife in a way. Oh yeah, leave my husband in a way. In a no see, oh, I mother-in-law. Oh, when you was even a danua. Everybody, they also know to get the attention. Oh yeah, take my advice to also not like the my sister, so yeah. If you don't tumble your goose to make you the sample of a well over the my sister, so everybody won't become the princely wife in a way. Oh yeah, leave my husband in a way. In a no see, oh, I mother-in-law. Oh, when you're even a dad.